il prend en charge de... Bonjour Vaudé. On est sur... Undead RP. Et j'entends déjà du monde, alors on va sortir de notre chambre. On va voir qui y a. Sinon j'enverrai des petits télégrammes. Non mais c'est quoi ce lancier là? Non mais comment ça c'est quoi ce lancier? J'ai pas prévu autant de défense. Y'a de l'ambiance, j'aime bien, j'aime bien. Bah du monde. Bonsoir. Messieurs, dames, ouvrez très grand vos oreilles. Bonsoir. Bonsoir, seigneur. Alors... Il y a un bras, il y aura beaucoup de questions. On est en main. Ah, il n'y a pas de boisson. On avait dit qu'il y avait une charcutier là, dans la town. Quoi? Une boucherie, une charcutier. Ah oui, il y a un état de chasseur, oui, en effet. Non, mais le boucher pour revendre directement vos bêtes, c'est ça? Ouais, ouais, voilà. Je vais voir mes télégrammes d'abord. The gentleman. Oh. Ça quand il parle fort. On va y aller à pied, hein, là-bas. On va voir un peu. Je vais demander au petit Prosper s'il a envie de rien foutre avec moi. Et puis on va voir. Voilà, juste pour voir ma faim. Ah, je l'ai pas vu longtemps, c'est pas bien grave. Au moins, je sais que on j'ai un peu faim. On sort pas du comté de la cointée. Oui, pas quoi ça les autres comtés, si elles lui montrent, je serai en civil. Bonsoir. Oh. Ah, disons, ça glandouille ici. Ça glandouille un max. Alors. Pearl Armadillo. Hop. Offre d'emploi, de quoi? Hein. Offre d'emploi. Quoi? Enfin, un T1 vous est disponible, j'ai un travail pour El Spectacular. Ah oui, d'accord! Punaise, j'avais oublié. Ah là 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 là. Oh, mais attendez, oh putain, ça me saoule! J'arrive plus à afficher mes contacts. Bonsoir. Télégramme, ok. Je suis pas susceptible, hein, au pire, c'est pas très. Susceptible? Je suis pas susceptible. Alors, ah oui, alors c'était. El Spectacular. Et c'est quoi? Bah oui. Envoyez-moi un télégramme, il me donne pas son télégramme, ce couillon! Il me l'a jamais donné! C'est moi qui lui avais donné! Attendez, je vais vérifier, hein, mais. Envoyez-moi un télégramme, mais c'est pas écrit en fait! Ah là là! Ah les braqueurs, hein! On sait pourquoi ils sont braqueurs, hein! Alors, je vais vérifier quand même, hein! Mon compte RP. Bon, là, je demande à Pearl sinon. Non. J'ai jamais mis Mario One si je l'ai mise. Abigail Murphy. Ah, c'était. Je vais la rajouter, tiens, Abigail Murphy. C'est, je crois, la dame de la taverne. Je crois. C'est des conneries, mais il me semble. Abigail Murphy, bon j'écris ça comme je pense que ça s'écrit, mais aucune idée. Hein. EZ 899, hop là. Minerai Radio, c'était quoi? Arrêtez de m'occuper de la gestion de la production des minerais. Bah, désormais vous adressez à quelqu'un d'autre si vous désirez continuer à revendre le fruit de votre minage. Et qui s'occupe des étals de minerais dans les villes de Blackwater, par exemple. Merci d'être passé. Pour moi, c'est avec plaisir. Oh, Barré, il arrête. Il arrête. Bon, c'est le quart d'heure de folie de mon chat JPP. Bon, bah écoutez, de toute façon, voilà, j'ai pas le. La spectaculaire, elle m'a pas donné son truc, donc. Il est couillon. On est d'accord, hein? Il me donne pas son télégramme, il met juste El Spectacular. Je vais revérifier quand même. Ah oui, non, je voulais envoyer un télégramme à Prosper. Il est où Prosper? Voilà, mais ça, je peux pas l'enlever celui-là, parce que ça, c'est pas bon en fait. Je dois supprimer. Pas grave.
Nouveau. Télégramme du contact. Prosper Forêt 88. Ah non, c'est SS. Oui, c'est vrai. SS 988. 998 plutôt. Attendez, c'est pas. Ah non. Ok. Pour sup. Ah, tu sais comment supprimer ? Bonsoir, petit Prosper. Je vais mettre petit parce que je suis à l'écrit. Je voulais qu'on ne fasse rien du tout à deux. Comme on sait si bien le faire. Tenez-moi au courant. Cordialement, Denis Duval. Denis Duval. Au courant, je suis à Blackwater, mais je vais certainement bouger vers Valentine et Strawberry. Strawberry. Vers Strawberry d'abord. Hop là. Parfait. La Croix-Rouge, ah ouais, tu penses? Attends, je vais regarder. Il n'y a pas une croix. Moi, je veux pas de Croix-Rouge. Zer. Je vois pas de Croix-Rouge. Je peux HRP. Bah fou. Ah si, j'avais pas vu, pardon, putain, je voyais. Ah non, mais je les voyais pas. Ah mais merci. Merci beaucoup. Hop là. Voilà. Ah non, merci beaucoup. J'avais pas vu la petite croix en fait. C'était. Vu que moi j'ai pas mal baissé la luminosité de mon écran, pour moi c'était quasiment de la même couleur. Les gammes sont tellement glauques, ça me gonfle. Mais c'est bien, Fire. Je veux dire que t'apprends. 988, tenu. Parce que j'ai. Ouais, ouais, c'est. 998. J'ai mis 988. Attendez, j'ai écrit quoi? J'ai mis 988 et pas 998, c'est ça? Oh merde! Vraiment, hein? Donc c'est SS 998. J'avais écrit 988. Oh non, mais sérieux quoi. À deux, j'avais écrit comme ça. Ouais, tant pis, écoute.
Non, c'est juste comme ça. J'ai mis certainement, je crois, tout à l'heure. Strawberry. J'avais une sous les yeux. Ouais, bon, ça va, on sait jamais, hein, si j'en vois. Je me demandais si... Alors, c'est bien SS998. SS998. Voilà. Relu, tant pis, on s'emmerde. Waouh! Ah, ça me saoule! Dégoûtant. Faut que je grignote un truc. Je vais grignoter ça, tiens. Une tomate farcie, l'eau? Voilà. Pour un peu, juste pour avoir ma bouffe. Et c'est tout bon. Oula oula, toi t'es pas attaché toi. Oh bah tiens, je viens de vous envoyer deux télégrammes. Ah oui. Mais je crois que le premier c'était pas la bonne personne, donc bon. Ah, bah j'espère que c'était pas trop privé. Oui, ouais, j'ai pas envoyé de photos, ça va. Comment allez-vous? Mais ça va, je faisais dodo dans les tables. Ah oui, vous êtes pas allé au théâtre pour faire dodo? Ben non. Ah dommage, il est beau. Faudrait que je le rachète, ce théâtre. Ah oui, carrément. Ça commence à me trotter dans la tête. Ah, le racheter? Mais combien ça doit coûter, ça? Il est même pas à vendre, quoi. Je sais pas. Il est écrit quelque part? Ah non. Je sais pas. Bah déjà, non, il est pas par là, donc... Ah oui, c'est ça, il est pas par là, oui. Ouais. Mais je vous ai demandé si vous vouliez qu'on fasse rire ensemble aujourd'hui. Rien faire. À tout un programme. Ouais, hein. Écoutez, ouais, ça doit pouvoir se faire. Bah, c'est que bon, c'est généralement ce qui se passe quand on est ensemble, donc bon. Oui, c'est ça. En fait, en général, les gens. Ils font la gueule. Ils font la gueule, et puis nous, bah, on fume des pipes. C'est ça, voilà. Est-ce bon, que ça me dit c'est Jaya? Ça serait trop drôle. Oui, exactement. Ouais, comment qu'on fait avec ça? Oui, c'est alors, je vois si à l'intérieur, c'est quelque part. On ne sait jamais. Par exemple, ici. Il y a bien quelqu'un qui a une clé de ce truc. Ah bah faudrait voir avec le maire, faudrait voir avec Monsieur Pennyworth, ça. Ah oui. Mais bon, ça doit être cher. Bah, je sais pas. Mais c'est vrai qu'on pourrait faire des choses fantastiques. C'est inoccupé. Je pourrais au moins louer la salle. Au moins louer. Faire des trucs. Louer, oui, ça me semble possible. Peut-être même que ce serait gracieusement, vu que ça ferait un petit peu d'intérêt pour la ville. Ah oui. Pour faire une pièce. Faudrait voir. Une pièce de théâtre. Ben oui, ce serait sympa. Oui, j'y ai pensé aussi. Hein. Oh, un concert. Un concert ah de ouais, quoi cool. De claquettes bon, de n'importe quoi. Ah oui, des claquettes. Vous n'avez pas de chaussures. Ça va être tout doux. Quand... Ah oui, mais je serais pas... Oui, ce serait un concert silencieux, ça ne dérangerait même pas les voisins. Ce serait trop bien. Ah oui, des claquettes sur de la moquette. Ben vous savez, c'est la grande mode des films muets, donc je me dis que des claquettes silencieuses, peut-être des claquettes muettes. Ça pourrait intéresser. Oui, voilà, ça pourrait intéresser des gens. J'ai beaucoup d'idées, oui. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Salut Grisou. Bon, bah, du coup, voilà, on sait toujours pas qu'est-ce qu'on fait. Non, en effet, mais je pensais aller vers Strawberry un petit peu. Il me semble qu'il y a quelque chose, un anniversaire ou quelque chose là-bas, je sais plus trop. D'accord. Mais je sais pas plus. C'était pas hier l'anniversaire? Il n'y avait pas l'anniversaire de la fille de Monsieur Duke? Ah, je sais pas, peut-être. Il me semble bien. Ah, c'est possible. Pas, mais bon. Mais moi non plus. J'en ai entendu parler, et puis j'ai tout. Je crois qu'elle s'appelle Lilia, et oui. Mais je sais même pas si je l'ai croisée. Je pense pas non plus. Je croise pas beaucoup d'enfants. Hein. Et puis bon, ceux que je croise, ils meurent alors. Je vais faire un petit... je vais jeter un œil sur mes finances personnelles, j'arrive. Oui. Bonsoir. 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 Moi, je vais faire un petit tour... Oh bah tiens, peut-être que les shérifs y sortent. Tiens bonjour, je profite de voir des shérifs. Vous savez où est Monsieur Pennyworth, s'il est dans le coin de aujourd'hui? Saloon, au dernier coup je l'ai vu au saloon. Au saloon? Oh bah je vais aller voir, merci beaucoup.
Il y a peut-être des chances qu'ils soient encore là-bas. D'accord, bah merci. Avec plaisir. Il y a un monsieur Pennywise qui est au saloon, on peut peut-être lui demander pour le théâtre. Ah bah oui, mais justement j'allais faire. Il est où? Au saloon. La dernière fois que j'ai vu, c'est au saloon. Au saloon. Ok, on y va, merci. Merci beaucoup. Avec plaisir. Bah, de toute façon, je vais me prendre un multifruit ou deux. Ça fait longtemps que j'ai plus parlé à M. Pennyworth. Il est beaucoup occupé. Bah oui. Depuis les élections, hein. Oui, c'est vrai. Mais moi non plus, je l'ai. Et puis quand j'ai croisé, il était entouré. Il y avait du monde. J'ai l'impression qu'il m'évite. Je pense qu'il sait que je l'ai laissé gagner par amitié. Ah bah tout à fait, tout à fait. Ici, oh là là. Je suis redevable. Je fais ça tout le temps. Hein. Bonjour. Oui, ça va. Bonjour. Je ne motivais pas trop non plus. Ouais, les grands de ce monde. Du coup, ah, vous avez. Si des fois vous pêchez. Monsieur dame, faut acheter toute la nourriture du saloon là. Oui, enfin, bonjour, bonsoir quand même. Pourquoi, qu'est-ce que se passe-t-il? C'est à pourrir. Monsieur Maxwell et monsieur Champion. Voilà. Bah écoute, c'est quoi, tu. Y'a même plus à boire au saloon. Bah. C'est encore, madame. je crois que les gens ils écoutent pas quand tu parles, Ulysse. Va falloir que tu fasses quelque chose. Le saloon est encore de passation, donc c'est pour ça que. Ah! Je m'occupe de refaire la carte et les stocks cette nuit. Dites, monsieur Pennyworth, pour vous voir une seconde. Oui. Comment ça se passe le théâtre là-bas qui est là-bas? Ça se passe pas grand-chose pour le moment. Et comment ça. Comment est-ce que. Et si on voulait faire quelque chose, si on voulait organiser quelque chose dedans, est-ce qu'il y aurait possibilité? Est-ce qu'il faudrait faire. Parce qu'avec Madame Denise, en fait, ça nous tourne dans la tête de pouvoir faire des pièces de théâtre ou organiser des concerts, des trucs comme ça. Oui, pour faire vivre un petit peu la ville. Mais on se demandait si déjà. Bah oui. Bah écoutez, il me faudra un dossier, je monte ça au gouvernement et puis voilà. Mais il faut quoi? Il faut un apport financier, monsieur? Comment ça se passe? Oui, c'est surtout ça, la question. Parce qu'on est, comme qui dirait, pas des grands courageux. Du coup, on n'est pas on fait beaucoup très, rien. Très riche. Je crois qu'il y a 10$ de taxes d'acquisition, plus 1$ symbolique. En santé, moi, d'accord. C'est ça et du bois. Et après, c'est 5$ par semaine. Mm-hmm. 5 par semaine, ok. Oh, ça semble faisable. C'est jouable. Vous pêchez, messieurs dames? Non, plus trop. Non. Non. Si jamais, avant. Je vous achète votre poisson. Ah, c'est bon à savoir. Ah, d'accord. Comme ça, après le poisson, je le vends sur le marché. Et avant de le vendre sur le marché, je le chertalise. C'est un label qualité. Ouais. Mmh. Ah oui, d'accord, ok. Ah, oh, il y a un label, oui. Ouais, le meilleur produit que vous pouvez jamais trouver, jamais ici. D'accord, très bien, c'est bon à savoir. D'accord, ça va, comme ça aussi. Voilà. Nickel ambiance. Du coup, un petit dossier, oui, vous dites ce que vous voulez faire, ce que vous pensez que ça va apporter à la ville, vos disponibilités, tout ça, quoi. Puis, voilà. D'accord. Ok, on va y penser. Ça tout à fait. Madame Denise. Ah bah oui, ça me botte bien, ça moi. Ça pourrait être sympa. En plus, il y a pas mal d'artistes qui passent ici, hein. On pourrait peut-être les embaucher exactement. Pour des représentations. Bah oui. Comme ça, on pourrait la mettre à disposition. Vous êtes allé voir un peu dedans? Oui. C'est pas très grand, mais c'est très joli. Ah, c'est joli, hein. Et j'imagine qu'à l'étage, c'est juste pour les diffusions. Oui. Est-ce qu'on s'est diffusé des choses vraiment? Voilà, on se demandait. Sur cet écran. Cinématographe, j'ai jamais vu en marche par contre. Ah, d'accord. Bon, ce serait juste la salle. Ouais, c'est juste on la fera salle. Des ombres chinoises avec des bougies. Ah oui, ce serait déjà joli. Ça fera une petite ambiance. Okay, d'accord. Bah, écoutez, on y pense et puis on revient vers vous, monsieur Pennyworth. Très bien. Bah, merci beaucoup. Merci pour les infos. Merci. Bon courage et puis bonne soirée. Bon, merci beaucoup. Merci bien, vous aussi. Vous aussi. On touche quelque chose là. La fortune nous sourit, madame Denise. Ah, tout à fait, tout à fait. Vous vous rendez compte, on pourrait être tenancier. Incroyable. On pourrait même faire des spectacles plus tard pour les adultes. Mais oui. Avec. Oui. Avec des blagues sur des avocats. Je suis pas sûr de la comprendre, de Madame Denise. Je commence à paniquer. Est-ce que c'est des trucs d'adultes, les histoires d'avocats et tout ça? Ah oui, d'accord, oui. Oui, c'est ça. On pourrait faire un spectacle entier sur des frais notariaux. Voilà, exactement. Sur ce que c'est que d'avoir une maison.
J'en sais rien sur l'indexation, le prix du gaz. Sur les impôts, les élections, voilà, des trucs d'adultes, quoi, mais tard, oui, un petit peu. Comme ça, bah les gens ils seraient ravis. Et le vôtre, il est rentré à l'école ou pas? Ah, ce serait génial. Il n'y a qu'une école ici, alors bon, on connaît la réponse. Hein. Les gosses, on les voit pas souvent à l'école. Oui, c'est ça. Et les gens diraient, ah bah non, je suis. Et comment il va le petit vôtre? Bah, il est mort de diphtérie. Ah! Et le vôtre, il est mort lors d'un braquage. Vous vous rattrapez sur le prochain? Oui. On va faire mieux la prochaine fois. Ouais, c'est, oui, ça pourrait être vraiment intéressant. Je sais pas où on va. On est vraiment occupé de faire le tour de cette bien belle ville de Blackwater. Mais c'est quand on discute, on marche, c'est pour ça. C'est vrai. Moi, ça, je comprends ça. Mais d'accord, mais il va falloir trouver des idées de spectacle, alors. Il va falloir en parler un petit peu aux artistes. C'est vrai. Aux troubadours. Oui, il faudrait essayer de créer une émulsion. Ça veut dire quoi? Je sais pas, c'est un truc en cuisine, là. Oui, c'est quand ça boue. Je comprends. On va faire bouillir la ville. Entre la cuisine et le théâtre, mais apparemment, c'est un truc comme ça qu'il faut parce faire. Parce que j'ai entendu que le public était bouillant, une fois. Ah. Wow. Ah oui, c'est peut-être ça, alors. Il y en a un qui a crié, là-bas. Ah, des fois, les concitoyens, ils crient bizarrement. On sait pas pourquoi ils s'énervent. Oui, enfin, les concitoyens, ils sont tous un petit peu bizarres, hein, quand même. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Oui, parce que ce qu'on pourrait faire aujourd'hui, c'est peut-être faire le tour un petit peu des villes pour savoir s'il y a des artistes qui seraient intéressés. Oh, des biches. Des biches? Oui, sur le toit. Là-haut. Je sais pas si vous les voyez. Bah, ok. Bah, ok. Bah, qu'est-ce que vous faites là? Je savais pas que ça escaladait, c'est bête. Les chèvres, oui, mais les biches, je savais pas. Oh là, elle va faire mal en ce moment. Je te dis, si elle fait mal en ce moment, on peut récupérer la peau. Oui, c'est ça, au moins on saura quoi manger. Comme ça, on chasse sans rien faire. Mais du coup, alors il me faudrait. Piti. Je vais peut-être quand même acheter une calèche pour faire. Pour aller de ville en ville et de. Raconter, pour prêcher la bonne parole. Prêcher la bonne parole du théâtre. Oui. Faudrait trouver aussi d'autres. Des acteurs. Des comédiens. Des artistes. Des musiciens. Des parisiens. Des daltoniens. Des petits chiens. Oh oui, un spectacle avec des animaux. Oh oui, on se fera attaquer par des cougars, mais des fauves en plastique. Ah mais vous pensez que ça existe, le plastique? Je sais pas, mais en tout cas, faudrait l'inventer. Ça m'a l'air d'être un gros truc, ça. Attendez, j'ai un courrier de Madame Duval. Oula, faites attention, elle est bizarre, celle-là. Tenez-moi au courant, Bouf. Je sais pas si je vais lui répondre. Ah, attendez, j'ai une voix dans ma tête. J'arrive. Bon. On va rappeler les chevaux. Là, y'a personne. Allez, j'appelle... Doudou! Mais c'est pas possible. Tout est tendu, ma pauvre. Hop là. Vous avez vu, monsieur Duke, voilà. Il a arrêté le minerai? Oui, bah oui. Il a envoyé des petits télégrammes à tout le monde. En fait, la raison officielle, c'est... plein le cul. D'accord. Ça m'étonne pas. Bah je le comprends. Il donne de son temps, il fait des trucs et puis Il passait tout le temps à faire que ça, j'ai l'impression, ces derniers temps. Bah oui, c'est ça. Vous voyez jamais autrement. Sauf très tard. En plus il fait pour tout le monde, pour que tout le monde y puisse bien s'amuser, pour que tout le monde puisse... Pour que tout le monde y ait des sous. Oui, c'est ça. Et puis lui, il gagne pas de sous. Et en plus, il se fait chier dans la main. Ah oui. Comme on dit. Ça semble être pas très intéressant. Ben non. C'est pas propre. Bon non. Ok. Où c'est qu'on irait? Strawberry, bah Strawberry, hein, c'est le plus proche. Puis y a avec le saloon, on aura peut-être des adresses. J'ai pas trop envie d'aller tout de suite à Armadillo parce que le spectacle de strangulation, ça m'intéresse pas. Ah oui, moi non plus, oui. Puis sinon, ils font s'entretuer des chevaux, là. Ou des coqs, ou je ne sais quoi. Oui, c'est ça. Ou alors on va faire un... un fight club.
Ah oui. Le problème du Fight Club, c'est pour la publicité, parce que la règle numéro 1 du Fight Club, c'est qu'il n'y a pas de Fight Club. Mais c'est vrai que ça pourrait être intéressant d'organiser ça, mais je sais pas si, si ce serait le mieux dans le théâtre. Hello, mais cassez-vous, monsieur. Oui, s'il vous plaît. C'est un peu mieux de la route. Il vous regarde bizarrement. Oui, mais tous, franchement. C'est vrai. Attendez, je vais peut-être mettre déjà un petit trajet dans ma tête. Sur mon Global Prosper System. Ah oui, le Global Prosper System. Je me rappelle ça. C'était presque au point, mais pas tout à fait. Mais parfois, c'était pas... Oui, c'était pas fou. Salut Free Fly Will, comment ça va? Je pense qu'en fait, il faut qu'on tourne. Il faut qu'on tourne? Bah, mon Global System Prosper, il me dit de tourner. Mais on peut... Oui, pareil. On n'est pas obligé de... couper. Ouais, on peut couper, hein. On peut couper ici. Coupons. Oui, ça pourrait être une idée de tenir ça. Oh, dérapage. Oui. Ah oui, j'ai des bons freins sur ma jument. Ah. C'est dangereux quand c'est pas la route, hein. Et vous avez vu qu'on pouvait vendre des chevaux à Tumbleweed maintenant? Ah bon? $1. Ah non, j'ai vu. Des chevaux sauvages. Ah. Vous les capturez, vous en prenez un, vous montez dessus, hop, $1 à Tumbleweed. Combien? 20? $1. Hein? $1 de cheval? Vaudion? Oui, mais pareil. C'est le prix de 3 poissons. Bah oui. À peu près. Mais ça a l'air plus rapide, paraît-il. Peut-être. Vous savez qu'avec leur nouvelle canne, je sais toujours pas pêcher, moi. Bon, j'ai pas essayé aussi, faut dire. L'ancienne, j'arrivais pas, donc je me suis pas fait trop d'idées sur la nouvelle. Ah, la nouvelle, elle est plus complexe. C'est toujours pas par là. On peut tourner. Faut tourner par là. Mais si on fait un spectacle, au moins un premier, faudrait qu'on trouve déjà des gens pour nous accompagner. Parce que à deux, je pense que c'est possible, mais bon. Faut une troupe. Oui. Voilà, faut une troupe. Vous connaissez des troupes? Non. Moi non plus. Des troupes. Oui, et puis si on prend du bétail, ça va peut-être pas suffire. Oui, ça va peut-être... Oui. Mm. Si on met 2-3 biches dessus, ça risque d'être un peu bizarre. Oui. Déjà que je sais même pas si on pourrait faire rentrer un chien. Ce serait bien un spectacle avec un chien. Juste on mettrait le chien et puis les gens ils caresseraient, ils seraient ravis. Est-ce qu'on pourrait pas faire un saloon avec des chiens ou des chats? Oh oui, on ferait des peintures. Oui, alors, ils prennent un petit café et puis ils peuvent faire... Et puis ils jouent au poker. Et ils jouent au poker et perdent leur sous. Oui, comme nous. On sait qu'on peut devenir les possesseurs d'une table de poker. Ah, je pense qu'il faut devenir possesseur du lieu qui entoure la table. Ah. Parce que moi j'ai jamais rien réussi à gagner, hein. Vraiment c'est fantastique ce jeu. Ah le blackjack? Ça marche hyper bien pour perdre vos sous. Oui, alors j'ai réussi à gagner un petit peu, hein, mais très franchement... La dernière fois, bon, 5 parties, 5 défaites, $5 en moins, j'ai dit allez. Allez, partons. Denise, vous savez qu'il faut compter le total, hein. Parce que si vous perdez 5, vous gagnez 1, vous avez pas gagné. Vous avez perdu 4. Et c'était à peu près ça. En plus le problème c'est que bon, je continue jusqu'à ce que je gagne, et puis quand je gagne je me dis oh bah une petite dernière. Un bar à chapas. Oh, bar avec plein d'animaux. Ou sinon il faudrait un bar avec des chats. Oui. On appellerait ça le bar à chat. On appellerait ça une chicha. Parce qu'il y en aurait... Parce que les chats ils... 5 plus, hein. Chiche. Ah oui d'accord, non moi j'imaginais autre chose. Ah oui. Parce que bon, il y aurait des litières un peu partout, quoi. Ah oui, c'est vrai. Oui, ce serait important aussi d'en avoir. Moi, je vais le laisser ici. Et moi aussi. Et on va faire un tour de bijoux.
Moi, si jamais ils partent, alors je lui dis de faire dodo et puis de toute façon, on s'en va après. Ah, oh, bah ça, c'est un cheval sauvage, ça. Ah oui. Enfin, ils sont sauvages, mais oui. Enfin, ils viennent squatter quand même là, quoi. Ah oh, oui, bah. Partout, en fait. Bah, je comprends pourquoi il n'y a pas le droit à nos chevaux, c'est parce que c'est les chevaux de la région qui sont là tout le temps. Bah oui, qu'est-ce qu'ils foutent là? Ouais. Ah, bon, dis donc. Il y a une course à pied. Un braquage. Ouais, il y a tout le monde qui court. Ils nous ont vu arriver, ils ont peur. D'accord. C'est de plus en plus bizarre, ce pays. Mais j'ai l'impression de toujours avoir 2 temps de retard, à peu près. Oui, c'est ça. On arrive, des gens ils courent et ils sont partis. Voilà. Oui, c'est Monsieur Woody. Bonjour, Monsieur Woody. C'est Monsieur Prosper. Ben oui, Monsieur Woody. Vous avez un nouveau manteau, il est beau. Ah oui. Oui. Ben oui, oh wow. Mais vous aussi, vous êtes changé là, tout en vert. Oui, je suis quasiment un sapin de Noël. Ah oui, ça oui, c'est vrai. Ouais, cette saison. Très joli, ben, très oui. Joli. Ouais. Ah, merci beaucoup, Monsieur Duval. On avait du monde partir en courant, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un braquage encore. C'est le deuxième en une heure. C'est au General Store. Un chaloune. Oh, trop bien. Mais ici, là, encore. Est-ce qu'il vaudrait pas mettre un truc au point pour dire aux bandits que quand ils sont braqués, bah, y a plus de sous, faut plus revenir. Faut attendre qu'il y ait de nouveau des sous. Surtout pour 4 dollars, ça vaut pas la peine. 4 dollars à chaque fois, moi je veux bien revenir en fait. Hein. Ah s'ils sont pas plus inquiétés que ça. Ouais, ça oui, là, mais. Parce que les shérifs leur ont couru après, là. Ah, c'est... Ah, mais voilà, c'était un braquage, donc on a vu les shérifs après les méchants. Oui, c'est fou ça. Ouais. Et bah, c'est spécial comme truc. Ouais. Bah, c'est... Une soirée ouais, normale, hein. Bah oui, hein. C'est un dimanche. Eh oui, un dimanche, je l'ai dit. Est-ce que vous avez vu Russell, des fois? Non. On vient d'arriver, nous. Ah oui, à l'instant. Bah, ok, bah moi aussi, c'est pour ça. Bah, je vais continuer mon tour. De leur partager à 12, les crafts. Je rejoins. Monsieur Woody, oui, si jamais, oui. À l'occasion, vous voyez des gens qui ont des talents un petit peu du genre jouer d'un instrument, de la chanter, chanson, faire des pièces de théâtre, raconter des histoires. Eh ben, nous sommes intéressés. Comme nous commençons à monter une petite troupe de théâtre pour jouer à Blackwater dans le théâtre de Blackwater qui est inoccupé. Ah, d'accord. Bah, ouais, c'est... Peut-être on va reprendre ça, peut-être. On essaie de voir si on peut trouver déjà des artistes. Monsieur Prosper, pouvez-vous me donner votre télégramme? Si jamais j'en trouve, je veux un les référer à votre télégramme. Alors c'est super sympa. 998. Faut prendre juste les premières lettres. Oui, bah c'est oui. Ça, faut pas tout mettre. Ouais, j'avais compris. Merci bien. C'est super sympathique de votre part de me dire ça comme ça. Ou alors vous pouvez envoyer à Madame Duval aussi. Et moi c'est FQ256. F comme femme, Q comme Q et 256. Comme ça au cas où. N'hésitez pas. Un truc, vous devriez dire fantastique. Fantastique. Oui, mais bon, il faudrait que j'explique après quelle lettre est dans fantastique, donc. Ah oui, ouais, peut-être, ouais. Parce que bon, y a beaucoup de lettres possibles. Ah ben parfait. Je vais prendre ça tout de suite en note, puis si jamais je trouve des talents, comme vous dites. Oui, je voilà. Vais le faire à vous. Exactement. N'hésitez pas à leur donner. Si des gens veulent faire des événements qui pourraient se prêter à une salle un peu comme ça, voilà. Nous, on va probablement essayer de monter un dossier et puis de se proposer là-bas. Exactement. Ok, parfait. Puis ils peuvent passer des auditions, là, justement, si jamais eux, ils pensent qu'ils ont du talent. Mais, oui, tout à fait, tout à fait. Oui, on pourrait faire une petite soirée spéciale audition, oui. Ok, d'accord. Ça serait fantastique. Faudrait voir déjà s'il y a assez de personnes. Bonsoir. Oui, bah oui, oui. Ah oui. Bonsoir. Bah ouais, excellent. Autrement, on va devoir tout faire, Madame Denise et moi, et du coup... Et on n'a pas envie. Oui, aussi. Parce qu'en fait, nous, notre truc, c'est plutôt de rien faire du tout. Ouais, mais par contre, on regarde bien. C'est pas si c'est le pièce de théâtre, là, votre truc, là. Bah, ça pourrait. C'est vraiment un spectacle de variété, là. Ça pourrait être de tout. À l'occasion, ça peut être une pièce de théâtre. Ça pourrait être des gens qui viennent raconter des blagues, hein. Moi, je suis partant, hein. Exactement. Ah, c'est que le but, ce serait de faire revivre un petit peu cette, ce théâtre qui est complètement laissé c'est à l'abandon. Et nous, on serait un petit peu les découvreurs de talent. Excellent. Bah oui, voilà. C'est bon, ça, c'est payant, ça, en plus. Ah bah, en tout cas, on espère. Bah, je m'imagine.
Ah ben ça là, je m'en vais noter ça tout de suite à mon. Oh merci beaucoup. On ferait des soirées merci. West Elizabeth a un incroyable talent. Ah oui. Oh, ah ouais, oh. Incroyable. Blackwater a un incroyable bonjour. Talent. Ce serait terriblement bien. Ah oui, bonjour, et puis il faudrait voter, il y aurait un public qui choisirait. Trop bien. Oh mais ça pourrait être notre première soirée en fait. Exactement. Albert a beaucoup de talent. Oh Albert. Oh, c'est fou. Oh. Mais oh, ben, c'est, pas mais c'est fantastique. C'est Albert qui fantastique. Faudrait déjà trouver une date. Si, bah oui, c'est tout à nous. Fait, oui. Ah. Il y a Albert ici, le oui. Joueur qui joue du piano. Je l'ai vu hier jouer à Blackwater du piano. C'était très bon. Oh. Ah, c'est vachement. Même on n'a pas de piano, nous, dans la pièce. Ah, oui, c'est vrai. Chanter aussi. Un. Ah, si c'est chanter, ça nous arrange. Ouais, alors chanter, je suis pas confiant là-dessus, moi. Mais bon. Si, ah, j'ai déjà entendu, il sait chanter, c'est juste qu'il n'ose pas. Mais ah oui. Il sait bien chanter. Oh. Parce qu'en fait, avec Madame Denise, on va peut-être voir pour monter un dossier et reprendre le théâtre de Blackwater. Ah, ça voilà. C'est bien ça. Ah, oui, ça pourrait être. Je suis la maire adjointe, donc moi ça m'intéresse beaucoup. Ce oh. Ah. Ah, mais oui, c'est vous. Et oui, je suis déguisée, mais c'est moi. Mais oui, c'est ça, c'est qu'avec les vêtements différents, on connaît pas toujours. Ah oui, je passe incognito le soir quand. Comme ça, mais oui, c'est pas la première fois que vous passez incognito, vous faites ça parfois. Ouais. Je vous avais entendu. Mmh. Bah oui, voilà, bah, on en a parlé justement, monsieur Pennyworth, il nous a un petit peu expliqué le dossier et puis les éventuels frais. Et on s'est dit, bah, ça pourrait être intéressant de trouver peut-être toutes les semaines un petit spectacle à y faire. Après, selon les artistes, s'ils sont intéressés, tout ça. Je suis sûr qu'il vous a dit que la mairie vous aiderait du mieux possible. Tout à fait. Il est toujours très gentil. Ah bah, on est là pour ça. Nous, on veut faire vivre la ville, faire des choses amusantes et divertissantes. C'est quand même un peu notre passion. Ah, bah ça me fait très plaisir. Et du coup, on se disait, bah, pourquoi pas une certaine soirée qui ferait venir le public pour voter pour les gens talentueux. Ah, et une compétition de talent. Exactement, un concours de talent. Oui. Ça serait bien. Comme ça, bah, ça nous permettrait nous-mêmes de découvrir d'autres talents. Et pour nos prochains spectacles. Voilà. Ça pourrait diversifier, ça serait bien. Ah oui. Il faudrait... Il va falloir... On vient à peine de l'avoir, donc on a... Ouais, c'est encore tout frais. Hein. Ah bah, j'en parlerai. À mesure qu'on en parle, ça change. Ah, c'est comme toutes les bonnes idées, ça évolue. Ah bah c'est que maintenant, là, on voit toutes les possibilités. En fait, j'ai de la pub sur des prochaines soirées, mais... On a même pas monté le dossier encore, mais donc... C'est comme ça qu'on monte, en fait. Comme ça, dans le dossier, vous pouvez dire, on a déjà des gens. Oui, c'est ça. Faut voir si ça vaut le coup de le faire, déjà. Bah oui, c'est parce qu'il y a personne qui est intéressé. Mais bon, en tout cas, je suis sûr qu'à Blackwater, il y aura plein de monde intéressé. Ah. Oui, je pense aussi. Bon, ça c'est bon à savoir. Est-ce que vous voulez nos télégrammes, peut-être, si vous avez... C'est une histoire qui roule. Si vous croisez des gens. Tu as noté toi sous la main ou pas? Attends, bah, je vais sortir mon carnet. Oui. Sinon, on est à côté, au pire. On va faire un petit peu le tour du pays, un peu à la recherche. Parce qu'on de a talent, un carnet où on note verra. Tout. Ah, alors, ça c'est bien. Moi aussi. Alors, moi j'ai Prosper Forêt, comme une forêt. Et le télégramme c'est super sympa, 998. Il est trop bien votre télégramme. Il est incroyable. Oui. Et il marche avec tout. Je peux être aussi super sexy, ah ouais. Super stupide. Enfin bref, c'est tout moi, quoi, ce télégramme. Alors que moi, vous voyez, ça fait un peu hôpital psychiatrique. C'est moins... Bon, c'est un peu moi aussi, hein, finalement. Ah, d'accord. Mais ça fait aussi au potentiel, attention. Ah oui, voilà. Oh, ah ouais, ça fait un peu les deux, finalement. C'est qu'une question de point de vue, en fait. Donc, quand les shérifs me voient courir dans la ville, je pense qu'ils ont plutôt une préférence pour le premier, vous voyez. Ça prouve que vous êtes active. Ah oui, c'est ça. Autrement, ça fait hip, 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 hurra. Ah oui. Est-ce que, vu que vous êtes l'adjointe de M. Pennyworth, est-ce que je pourrais avoir éventuellement ah oui, un télégramme aussi? Bien sûr, donc c'est Eleanor, avec un A et pas d'accent, pas de E. Eleanor, E-L-E-A-N-O-R. Très bien. Price, P-R-I-C-E. Et du coup, parfait. HP-5-6-1. Merci beaucoup. Comme ça, bah, on pourra peut-être passer par vous plutôt que... Ah bah voilà. Peut-être passer par monsieur... Pennyworth. Ah, monsieur Pennyworth, d'accord, bah merci beaucoup, parfait. Et vous madame, du coup, pour votre télégramme ? Denise Duval, comme ça se prononce. Et le télégramme, oui. C'est F comme femme, Q 256. Ok. Bah, c'est tout noté. Merci beaucoup. N'hésitez pas à nous contacter quand... voilà, si... Si on croise des gens talentueux, je vous le dirai. Oui, exactement. Voilà. Ou si vous avez même envie peut-être de participer pour une raison ou pour une autre vous-même, n'hésitez pas. Oui, des talents. Je prendrai le jonglage. Oui, parfait. C'est parfait.
Vous jonglez entre toutes vos responsabilités. Voilà, c'est ça. Et bien, la bonne soirée. Monsieur. Et ben merci beaucoup. C'est bonne parfait. Soirée. Ouais, bonne soirée. Au revoir. Bah, je crois qu'on a. L'affaire qui roule. Bah, oui. Bah, je vous le dis, les gens s'ennuient. Il va falloir vraiment qu'on le fasse ce dossier par contre. Oui, par contre, oui. Ça va être quelque chose à faire très bientôt. Ça va être incroyable à faire. J'ai déjà vachement. Ouais. Parce que bon, ça va être la partie finalement à moins rigolote. Oui, ça va être la partie un petit peu. Comment dire. Bon, Il va falloir qu'on soit des gens sérieux. Oui, réguliers, avec des dates. Ah, ça fait froid dans le dos. Wow, tout ce monde. Bon, encore, ça fait partie d'un truc du monde de la nuit. Hein. Oui, c'est vrai. Mm-hmm. La fine pipe. Mmh. Mmh, mmh, mmh. Béni surprise, ragoût. C'est quoi ce strawberryne? Ah, c'est un peu cher. Oui, c'est ça, il y a des trucs qui ont l'air sympas, mais bon, voilà quoi. On sait pas ce que c'est, donc bon, on s'embarque dans... pour payer un truc éventuellement que. Un petit peu décevant. Ouais, du 4 quarts. Oh, du 4 quarts. Il n'y a pas du multifruit. Il y a la liqueur de Ninibes. Décidément, ah, si. C'est quand même un petit peu spécial. Ceci est un mystère à 500$, au secours. C'est un piège ou quoi? Ah, je vois pas. Ah si. Ah oui, ceci est un mystère. Non. Ah ça. Oui, c'est comme 500 boules quoi. Regardez, il y a un truc qui s'appelle ceci est ça un mystère, mystère et on le paye 500$. Ouais, mais Et là, il y a vraiment un truc que je comprends pas, c'est il y a un 4 quarts. J'ai jamais compris pourquoi on l'appelait pas un entier. Ça fait réfléchir. Effectivement. Parce qu'on met 4 quarts d'ingrédients en vrai. Ah oui? Oui. En lait, en sucre, en tous ces trucs-là, il y en a un quart à chaque fois et ça fait 4 quarts. Ah, ça fait du sens. Et oui, hein, c'est vous. Bon, bah je vais pas oser. Bizarrement, le mystère là, je le sens pas. Oui, bah, de toute façon, à 500$, je suis pas convaincu que vous avez ça dans votre poche. Oui, c'est possible que j'ai que 13$. Ah oui, voilà. Les escrocs, mais grave! Nous aussi, on appellera notre spectacle, ceci est un mystère. On fera payer 500$ la place. Ah oui, pour voir. C'est un peu facile, quoi! Bon. Placer du genre Monsieur Pacifique et tout ça qui serait ah oui. Ah oui, tout à fait. Est-ce qu'il paierait pour voir un mystère? Je suis pas sûr. Je sais pas. La petite Rosa Dixon, il paraît qu'elle a des sous. Ah oui, c'est vrai, mais là, elle est très haute en. Bah, en tout le monde nous dit qu'à chaque fois elle court après les sous, alors bon, c'est qu'elle doit en avoir trouvé à force. Est-ce qu'en fait, depuis le début, elle se trompe et est-ce qu'elle courrait pas après des sioux? C'est quoi des sioux? C'est des natifs. Ah, les sioux. Oh, il a pas l'air natif, son mari. Non, c'est vrai. Peut-être que. Peut-être du côté de sa grand-mère ou quoi, on sait pas. Bah oui, ça semblerait bougrement logique. Mais c'est ça. Après, sioux de quatrième génération. Barre de Blizzard. Bon, c'est pas les plus gros escrocs, même si. Hein. Maintenant, il commence à être beaucoup. Bon, quel objectif? Je n'ose toujours pas appeler mon cheval, moi. Ici. Oula. Ah, bonjour. Par là, apparemment, il y a des ours. Bon, ah, ça peut être des fois du brame, ça ressemble beaucoup parfois, mais... Ah oui? Oui. Les cerfs, quand ils brament, bah, parfois, ça s'approche, mais bon. Alors, attention, d'où que ça vient? En face. 4K personnes devant vous. Ah putain, avec une file d'attente. Ouais. Et pour notre théâtre, on pourrait faire une file d'attente avec 40 000 personnes devant vous, ça donnerait aux gens envie aux gens de venir. Oh oui. Et puis hop, quand ils pourront enfin venir, on dirait non, y'a plus de place. Ah. Ah oh. Ah bah oui, mais méfiez-vous. C'est Madame Denise. Oui, ça va.
Décidément, les chevaux, c'est pas ça, en fait. Non, mais j'aurais dû vous laisser monter et monter après. J'attendais. Oui, c'est ça. Et du coup, j'attendais, mais un peu trop derrière. En fait, elle est un petit peu timide et elle aime pas qu'on soit près de son arrière-train. Oh. Skin à 40 euros, je m'en mets toujours pas pour ma part. Ah, ah ouais, bah, oh, c'est du skin après. Est-ce qu'il y a juste toi, madame Denise ? J'essaye de la calmer d'abord. Oui. Je vais essayer de retrouver mon chapeau. Oui. Vêtements. Ah mais j'ai plus rien à lui donner à manger. Ok. Oh bah je peux vous donner quelque chose si vous voulez. Ouais, je vais aller le chercher. On va passer par les tables. Je vais aller vite fait. Vous pouvez monter. Bah, j'ai du foin sur moi et sur mon cheval j'ai des carottes. Ah vous êtes équipé. Oui, bah j'ai trouvé des carottes par terre. Ah oui, ça aide. Oui, il y a quelqu'un qui avait dû s'en débarrasser sur le chemin. Je me disais tiens, où est-ce que je peux trouver des carottes? Et ben vraiment sur le chemin j'ai trouvé des carottes. Oula. Vous allez par où là? Parce que. Je me demandais si je pouvais passer quelque part ici au cercle, mais pas du tout. Je voulais éviter parce que normalement on peut plus y venir en cheval normalement là-bas. Bah je pense que si c'est pour y passer ça va parce que ceux qui sont en charrette et tout ça ils ont pas le choix de toute façon. J'ai vu des charrettes bien. Passer mais on n'a pas le droit d'y laisser le cheval. Parce que tant qu'on est dessus sur le cheval en général il y a beaucoup moins de risques en fait. Puis bon, avec tous les chevaux sauvages ils vont pas commencer. Ah ouais, commencez pas. Commencez pas. Calèche. On va vers Valentine ? Oui. D'accord. Mais je vais passer vite fait pour chercher un petit peu de foin. Ah oui. Il y en a ici ? Il me semble bien que oui. Ici, ici un peu plus à l'écurie haut. Peut-être ? Je pense. Mais ouais, skin à 40 euros, c'est vrai que ça m'a surprise aussi. Hein. C'est parti. Alors. Ah oui, là-bas, hop. Il doit en avoir. Méfiez-vous. Bah. Hop. Regardez le prix. Mes calèches. Apparemment, c'est pas du foin. Pourtant, mes sens me trompent d'habitude pas. C'est peut-être de la paille. Je vais regarder à l'intérieur. Ah peut-être qu'ils ont pu ils ont enlevé le libre service du foin et tout ça. Pour un petit peu, hein, je le fais pas souvent, mais bon. Ah, ici peut-être. Non, pas ici. Ah, vous en avez trouvé ? J'en ai trouvé un petit peu ici. Ah oui. En fait, la porte elle s'ouvre pas, faut passer carrément par au-dessus de la clôture. Faut le savoir aussi, hein, qu'on peut se servir. Hop là. Non, on peut pas là. Et non, on peut pas non plus. Voilà, mange. Elle est rassasiée. Ah, c'est bien ça. Direction Valentine. Valentine. Ah là là.
Bon, ben, on va monter une troupe de théâtre. Ah, ça va être trop. Par contre, franchement, une soirée théâtre. Incroyable talent à Blackwater, ça serait ouf. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est quoi? Là-bas? Vous voyez pas des feux d'artifice? Ah oui, si, y'a quelqu'un qui en fait. Oui, c'est hyper beau. Ah, c'est hyper beau. On n'est pas souvent vu. Oui, c'est nouveau. Oh, dis donc. Oui, c'est vachement chouette. Ah, ils ont mis des fumigènes encore. Ah oui, il y a des fumigènes. Ça, c'est pour fêter le braquage, ça. Oh là là, attention. Mais qu'est-ce qu'elle a? Je vais descendre. C'est bizarre. Oui, c'est ça. Avant qu'on meure. Oui. Oh, on a une belle vue. Oh, mais il y a plein de fumigènes jaunes. Ou vert, en fait. C'est pour ça qu'ils étaient en vert. Si ça se trouve, ils fêtent les braquages. Ouais, bah oui, ils font ça. C'est pour ça qu'ils les empêchent pas plus que ça. C'est que ça fait... Bah, ça fait de la fête, un petit peu. C'est la Saint-Braquage. 4$, youpi, c'est l'artifice, ouais. Ah bah, les 4$, ils sont bien, bien récompensés, là. Ils sont bien, bien mis à contribution, là. Oh, dis donc. Pour le moins, chouette. C'est sympa. Faudra faire ça pour l'inauguration. Oui, exactement, j'y pensais aussi. Ou pour le jour où on trouve un talent. Ou le jour où on a le théâtre. Aussi. Ou tous ces jours-là. Ouais, et si, voilà, c'est ça, ce qu'il faudrait, c'est tous les jours. Des feux d'artifice. Oui. À 5$, c'est concert privé. T'es sur les pieds. Ça va. Bah vous avez pas de chaussures, alors vous sentez plus que moi. Oui, c'est vrai, c'est plus frais. Ça rafraîchit. Mais après, si on fait une soirée découvreur de talent, est-ce qu'on trouve le talent dans la soirée ou est-ce qu'on fait ça sur plusieurs soirs? Compliqué, hein. Oui. Déjà, il faudrait qu'il y ait un petit peu de monde. Oui, pour qu'ils puissent voter. Oui. Il faudrait qu'on trouve des personnalités qui voudraient bien dire oui ou non. Qui voudraient bien juger. À Monsieur Pennyworth, par exemple. Oui, lui qui est maire. Comme ça, il viendrait juger. Juger les talents. C'est ça. On peut demander à Monsieur Pacifique, mais il va être méchant avec tout le monde. Ouais, mais il faut souvent qu'il y ait un méchant. Ah ben voilà. Faut qu'il y ait un méchant, il faut qu'il y ait un gentil et une nana avec des nichons. Ah oui. Ça c'est important, il faut des nichons. Bon, des nichons, un méchant, un gentil. Et peut-être une... Ouais, encore une quatrième personne, ça me paraît, oui, pas mal. Alors une quatrième personne, ça serait quelqu'un d'un petit peu... rêveur ou hors du commun, quelqu'un d'excentrique. Ou alors un très bon professionnel, très, très sérieux. Aussi, oui. Quelqu'un qui s'y connaîtrait, qui serait déjà dans le métier. Ah oui, voilà, exactement. Après, je connais pas assez de gens. Un peu de soucis. Après, on va peut-être en rencontrer. Hein. Il y a peut-être des gens qui vont dire bah oui, mais c'est Monsieur Truc qu'il faut aller voir. Oui, c'est ça, exactement. De toute façon, c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on est parti pour faire, parce qu'on pourra pas organiser ça si. Si on connaît que les 6 personnes que j'ai dans mon répertoire, quoi. C'est ça. Moi, je connais, oui. Je connais vous, je connais Monsieur Duke, Madame Daphné, Pennyworth, et puis Monsieur Jim, quoi. Donc, bah, c'est pas ça, on a du talent aussi, hein, mais... Ah donc... oui, tout à fait. Non, c'est pas le problème. Mais... Toi, tu jugerais bien, toi. Oui. Moi, je pense bien. Oui. Je dirais oui, c'est pas mal, oui. Ah, faudrait juger avec une pipe. Oui, c'est ça. Et là, Monsieur Pacifique, on a même pas besoin de lui donner une pipe. Ah, non. C'est complètement nul. Exactement. Ah, oui, tout à fait, ce serait son genre. Mais après, comment on ferait voter le public? Par lever la main? Ça pourrait suffire. Lever de main. Comme ça. Ah, oui, tout simplement, hein. Ça me paraît le plus logique parce que c'est le seul truc qu'on sait faire de toute façon. Peut tendre le doigt aussi. Ou par applaudissement.
Est-ce que je peux tendre le doigt pendant que... Oula, qu'est-ce que je fais? Hop. J'ai voulu pointer, mais à cheval, tu viens. Hey, j'ai eu peur que ce soit mon attendu qui... Il vous ai fait tomber. Hop, assiste-toi la main là. D'accord. Ça va bien? Je l'entends plus. On se faire étrangler. Oh, ce sera chaud ça. Il y a des cieux qui va juste. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il faudrait faire une sorte de diversité aussi quand même. En vrai. Parce que certains talents amérindiens, on pourrait peut-être pas comprendre nous en tant que... voilà. En tant que... migré américain de base. Mal de tête, je pense. On va se poser un petit peu ici. On va réfléchir. Ah. Bonjour. 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 Oui, bah il a un petit souci. Bonjour. À la tête. Non, pas vous. Non, c'était pas vous, c'est mon ami avec la calèche. Désolé. Pas de problème. Bonne soirée, au revoir. Ah oui, j'ai eu un petit problème là. Oui, un petit. Je retrouvais plus ma voix, dis donc. Oh, bah dis donc. Ça serait compliqué pour juger. On pourrait juger au regard, oui. Mais c'est pas facile. J'ai occupé de penser un petit peu qu'est-ce qu'on pourrait tout faire là-dedans, parce qu'en fait, on peut faire des spectacles, on peut faire des trucs, on peut même faire, ils peuvent même célébrer des mariages. Hein. Oui, bah c'est petit un petit peu quand même, ouais. Je trouve. C'est un peu étroit. Bah, parce que le problème, c'est qu'il n'y a pas de scène. Non, c'est ça le problème. Moi, je verrais bien, par exemple, vous faites un mariage un peu improvisé, vous ne savez pas vraiment... qu'est-ce que vous faites? Vous venez chez nous. On vous fait un package complet. Ah, vous voulez organiser le mariage? Un guitariste, avec un pasteur, avec des confettis, avec... Un feu d'artifice. Un feu d'artifice. On aurait quelqu'un qui... On aurait quelqu'un avec des grosses lunettes qui chanterait « Viva Black Water ». Ce serait tellement bien. Un bon petit package comme ça. Bah oui, ça serait chouette. Mais bon, faut savoir combien ça coûte tout ça. Ah bah je sais pas, mais de toute façon c'est pas nous qui payons, hein, après... Même pour donner le tarif, faut savoir combien on... Bonjour. C'est vrai, bonjour. J'entends du bonjour, je sais pas de qui. Attendez, je vais la ranger là-bas. Ah oui. Ah, tu veux pas t'attacher? Bon bah tant pis. Y'a un qui va ici. C'est mon petit traitement mensuel pour les pieds. Ah oui, c'est vrai, il doit être tout doux après. Oui. La dit à Strawberry, c'est un peu pareil aussi. Un paquet à 4 dollars. Ça a été repris ça? Oui. Bonjour. Il y a du monde. T'es pas en forme, mais... T'es le barbier. Elisa Macbeth. Bouillère. Ah bah y a de tout maintenant, c'est bien. Oui, c'est plein de trucs. Bon. Y a plein de trucs, mais y a personne. C'est sympa, Zouzi. Ouais, c'est un truc comme ça que je me serais peut-être acheté. Ah oui.
Parce que ma petite calèche que je voulais, on peut pas monter à plein. Et ça, j'ai l'impression qu'on peut monter à beaucoup. Ah oui, je sais pas. Je n'ai pas assez. Bah. Soit, de toute façon, projet théâtre. Projet théâtre, faut qu'on réfléchisse. Et puis, faut qu'on trouve des gens avec qui en parler aussi. Oui. Malheureusement, les gens. Voilà. Ils sont tous armadillés encore. En train de se rouler dans, dans le sable. J'ai lancé une rumeur qui dit que. Ah oui. Il n'y a personne nulle part. Non, on a lancé une rumeur comme quoi deux chercheurs de talent cherchent des talents à Blackwater. Ah oui, ça c'est bien ça, c'est bien. Morning, ma'am. Bonjour, madame. J'ai jamais fait les c'est rumeurs. Pas elle, on dirait. C'est pas vous la commère. Oh bah mince, c'est où alors? Ah non, c'est là-bas, je crois. Non. Bah, c'est pas là en fait. Attendez, je vais regarder sur mon petit plan. Ah bah y'a Rome chez Woody. Dis-moi. Yolo le cheval, il a des toutes petites taches blanches comme une constellation. Je l'appellerai Galaxie. Oh non, je l'appellerai Voie Lactée. Moi je l'appellerai Voie là-bas. Je vais. Hop, allez, hop. Voilà. C'est encore plus poétique. C'est vrai. Oh, on pourrait voir au restaurant s'il y a Bébert. Bon, je pense pas, mais bon. Ah. Allons-y. Parce que chez Wally, la commère. Lui, c'est un talent. Ah oui, oui, on va faire ça aussi. C'est près des tables. Ou varicelle. Oui, c'est ça, c'est bon. Ok, merci. C'est ici. Ah non, c'est pas ici. Ah si, c'était là, le restaurant. Bah, en tout cas, il y a un saloon, là. Oh, c'est ici, je crois. Ah, bah, la cuisinière arrive derrière vous. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. C'est mademoiselle Bess qui s'en occupe. Bonsoir. Okay. Bonsoir. On parle de mots, du coup? Oui. Oui. Oui, c'est ça. On peut aller au restaurant? Si jamais... Bah, oui, je pense. Oui, mais il est pas... Enfin, on attendez, a pas pour réapprovisionner. Ah, d'accord, d'accord. Ah, ok. Pas de soucis. On vient de goûter. Bah attendez, je vais venir. En fait, ça a été réapprovisionné, enfin on va le réapprovisionner un petit peu là, juste après, mais l'ouverture officielle est lundi. Comme ça, ah d'accord, savez. Il a été repris ah, alors. D'accord. Oui, exactement. On l'a repris hier, et du coup là on fait des gros stocks pour essayer de vous nourrir, hein, de nourrir tout Valentine et les patients. Bah merci beaucoup. Voilà, c'est voilà. Gentil ça. Bah, nous, si vous voulez, on a un petit projet de reprendre le théâtre de Blackwater. Alors on est un petit peu à la recherche de talents, des talents divers, hein. Mm-hmm. Musiciens, chanteurs, conteurs, acrobates, cascadeurs. Poète. Poète intéressant. Oui, ça peut être un peu n'importe quoi. Je veux dire, nous on est vraiment très oui, est-ce que vous auriez dans votre entourage des gens qui pourraient être intéressés? Écoutez, je vais en parler. À 2-3 personnes, vous auriez un télégramme auquel ils pourraient vous recontacter? Tout à fait. Nous avons, on va vous donner nos deux télégrammes. Le mien, c'est Denise Duval, le prénom et le nom. Et le numéro, c'est F comme femme, Q256. Ok, c'est noté. Faut que je me lave. Moi, c'est Prosper Forêt. Comme une forêt. On est vraiment un duo, c'est what the fuck. Super sympa. 998. Oh, ce chapeau. Ah oui, ce serait dommage de pas le mettre. Les numéros. Super sympa. 998. Ok, bah c'est noté. Théâtre de Blackwater, c'est ça? Tout à fait. Oui. On l'a pas encore, on l'a pas encore repris, mais le maire serait pas contre. On aurait juste à faire un petit dossier, mais on attend de voir si on aurait assez d'artistes pour que ce soit intéressant. Ok, d'accord. Bah écoutez, c'est noté. Je vais tourner. Mesdames. Je vais faire tourner le mot. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Eh ben merci. C'est très gentil de votre part de faire passer le mot. Eh ben, je suis contente de voir ça. Moi, j'aime beaucoup le théâtre, alors ça m'intéressait les talents. Hein, ah bah oui, voilà, mais il y a beaucoup de gens qui sont intéressés, alors c'est vrai que ça nous motive aussi de voir que le public sera là. Enfin,
En espérant, en espérant. Eh bah, pour les acteurs, du coup. Voilà, faudrait après trouver une motivation pour payer le billet. C'est exactement. C'est ce que vous. Merci beaucoup, et puis voilà, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à donner nos télégrammes. En tout cas, pour le mien, il n'y a pas de soucis, je pense que Suite Prosper aussi, pour si ça peut intéresser qui que ce soit. Bah, je ferai ça du coup. Eh bien, merci beaucoup alors, on ne vous dérange pas plus pour votre restaurant, merci beaucoup. Merci, au revoir, monsieur dame. Au revoir. Ouais, bah, je vais justement dans le pardon. Oh, pas de soucis. Excusez-nous. Bonne soirée à vous. Bonne soirée. Ah, je voudrais aller me laver. C'était où déjà qu'on pouvait. On pouvait près de l'église, je crois. Non? Ah, peut-être là-bas. Le chiffon. Ah oui, il fallait se faire humidifier le chiffon, oui, je me rappelle. Ça faisait longtemps. Comment devenir influenceur? Ah, c'est très bien. Ça, c'est très bien. Il n'y a plus de monsieur de l'humidification? Ah si, oui, non, le monsieur a disparu, mais on peut toujours se faire humidifier. Ah, c'est intéressant, ça. C'est important de pouvoir se faire humidifier le chiffon. De temps en temps, hein, c'est l'hygiène. Mais oui, mais là, je pense à ça, mais on pourrait aussi organiser des conférences. Par exemple... Alors là, il y a des voix dans ma tête, mais comment devenir influenceur, par exemple, des choses comme ça, comment influencer le monde. Oh ça, oui, c'est le genre ça. De... ça, c'est... Ce serait tellement bien. Ah, ça, c'est le genre de choses que les gens veulent connaître. Comment exporter vos poissons en dropshipping? Comment investir dans des balles en NFT? Ah, oh oui. Ça, ce serait fort. Ou alors des conférences un petit peu sur... Vous faites étrangler par... alors, au hasard, hein, par un apache sanguinaire. Que faire? Comment réagir à l'agressivité? Comment réagir à l'agressivité dans Nécessaire? Oula, attention, le cheval, là, j'ai pas compris. Par le 4. On pourrait faire vraiment des conférences thématiques, quoi. Voilà, c'est ça. Et puis, bah, trouver des conférenciers, des professionnels, des choses comme ça, qui, ou du coup, bah, ils auraient en fait une grosse partie des bénéfices de la conférence, mais nous, on aurait un petit pourcentage sur chaque billet. Mais on pourrait même éventuellement faire des choses. Si quelqu'un veut faire de la publicité, oui, plutôt que de passer par ce support qui est un petit peu daté, qui est le journal, mmh, on pourrait directement être au contact de la clientèle, et venir, c'est-à-dire que vous avez un étal à Blackwater, venez mardi soir, exposez ce que vous faites, donnez, serrez des pognes. Ah donc en fait ce serait un petit peu comme un lieu de rencontre aussi entre professionnels. Mais oui. Mm-hmm. Je sais pas si après un théâtre c'est le meilleur endroit. Oui mais au moins c'est classe. Oui c'est vrai, c'est classe. Autrement les gens font ça au saloon et tout ça, c'est bon, voilà. Alors je vous suis pour ce qu'est la commère mais je pense qu'elle est pas là. Ah oui pardon, elle est là. Ça fait classe. Parce que souvent, ça, c'est autour de... je sais pas, dans des... plutôt au saloon, quoi. Des soirées au saloon, autour d'un verre. Oui, mais là, ça permettrait de faire un petit peu... de faire un petit peu le tour de tout le monde et que les gens se connaissent. Parce que ces histoires d'étal, moi, personnellement, je connais plus personne. Ah oui, moi non plus, oui. Alors que quand on voit les gens, tout de suite, c'est mieux. Ah, voilà, elle a disparu, elle s'est transformée en pomme. En fait, à chaque fois, elle se cache dans la bassine. C'est un truc de commère. Elle s'est transformée en pomme. Oui, parce que les commères doivent être discrètes. Alors, comment qu'on mettrait? Et on peut récolter des pommes. Comment qu'on mettrait, alors? Il y a deux chercheurs de talent. Deux chercheurs de talent projettent de reprendre le théâtre de... De Blackwater. De Blackwater. Voilà. Ouais, on pourrait faire ça. Comme ça, au pire, ils demanderont peut-être à la maire adjointe, ou aux gens de Blackwater, ou au maire, avec qui on a déjà parlé, et du coup, ils pourraient les mettre en contact avec nous. Bon, le maire, peut-être pas, mais... Ah, c'est... Oui, c'est 5$, quand même. Oui, c'est... C'est parce qu'en fait, après, elle doit se racheter des habits qui sont tout tachés de jus de pomme. Donc elle demandait un peu cher. Oui, puis bon, c'est vrai qu'elle doit faire des kilomètres. Projetterait doté, oui. Après deux chercheurs de talent projetteraient, ce serait ONT. Mais il y a deux T, hein, projeté. Projeté. Il me semble bien. Je pense que oui, ça me fait bizarre sans vérifier dans ma tête. Oui, essayez de vérifier si vous avez des voix dans votre tête qui vous confirment. Oui, 2D.
Fort bien. Remerciez les voix dans votre tête. Elles sont trop lentes. Ah oui, ok. Mm-hmm. Bon bah on est complètement obligé de le reprendre maintenant, c'est trop tard. Attention, c'est parti. Oulala, oulala. Oh, hey, c'est bien écrit. Incroyable. Oh, incroyable. Je suis tout ému. Et je me suis caché derrière les pommes. Oui, pour chercher des talents. Ah bah le gouvernement m'aide, vous voyez, ça c'est la providence. Au même moment. Au même moment. C'est parfait, c'est un signe. Bon, bah va falloir qu'on fasse toutes les villes où il y a du monde. C'est parti. Et qu'on en parle. Au pire, même si on trouve pas tout de suite des gens. C'est mon cheval, ça ? Oui, je pense, oui. Il ressemble. Mais qu'est-ce qu'il fout là ? Il est pas parti. C'est bien lui, hein. De toute façon, au pire, il retournera à son propriétaire. C'est ça. Alors, je regarde où on pourrait aller. Je sais pas si. Ah, ce serait peut-être Rhodes après. Il y a un saloon à Rhodes avec. On peut aller à Rhodes, on peut éventuellement passer vite fait à Emerald Ranch aussi, éventuellement. Eh ben je connais pas trop, y a des choses. Y a des gens là-bas ? Bah, parfois y a des gens. Ah bah oui alors. Emerald Ranch. C'est parti. Y a parfois des fermiers, mais parfois y a plein de monde donc. Ah d'accord, mais j'ai vu qu'il passe pas, c'est vrai que je m'en rends pas spécialement compte. C'est un de mes coins préférés, moi. Emerald Ranch ? Pourquoi ? Oui. C'est bucolique et forestier. Et printanier. Bucolique et printanier, d'accord. Oui, et puis il y a des animaux. Ah, ça, c'est chouette, ça. Des poules et des moutons. Et des chevals. Ah oui, C'est campagnard. C'est campagnard. C'est campagnard. Il y a des gens qui habitent là-bas ou ils vont juste travailler ? Je sais pas. Ça appartient à quelqu'un ? Saloon, en fait. Non, mais il y a même un saloon si je me souviens. Ah, d'accord. Bien. Ah, oui. Moi, je connais pas. Faudrait que je regarde un petit peu, mais à un moment, oui. Il y avait quand même des gens. Je pense que ce qui pourrait être intéressant, ce serait qu'on en parle aussi à M. Duke parce que lui, il connaît plein de monde. Bah, oui. Et peut-être que M. Duke, il viendrait faire des imitations et il sait faire capot et tout. Ah, oui. Ou alors il pourrait juger avec sa grosse voix, ça impressionnerait. Oui. Ah oui. Ce serait pas mal. Ou alors avant il y avait une entreprise de sécurité, alors il pourrait faire le videur au pire. Ah oui. Ah oui, il faudrait aussi penser à ça. C'est ça. Si jamais on a des mal au truc, il voudrait toucher la dame au gros lichon. Bah oui. Faudrait qu'on en trouve une. Oui, on pourra chercher. Peut-être que M. Dieu qui connaît. En fait, il reluque pas mal en fait. Oui. Merci, bonjour. Bonjour. Autrement, il y a Madame Peur là qui les montre régulièrement. Oui, c'est vrai, je pense à elle avec son décolleté. C'est vrai. Et puis il paraît qu'elle chante. Insonorisé. Oui, bah c'est ça. Mais après, au moins, ça nous sauverait du fait qu'elle viendrait chanter en tant que talent. Si on la met dans le jury. Parce que j'ai peur que sinon, elle vienne en tant que candidate. Et j'ai aussi peur du coup que le maire lui-même en personne nous demande de fermer le théâtre à tout jamais après ça. Oui, qu'on se fasse attaquer en justice par Monsieur Pacifique. Oui, tout à fait. Oui, j'ai l'impression que c'est un peu ça, oui. Donc au moins, si elle est dans le jury, eh ben, on a moins de risques. C'est vrai. Bon bah, du coup, ça avance cette histoire. Ah, ça avance. Mais on ferait vraiment ça alors, on ferait vraiment peut-être en première soirée du découvrage de talent. Bah ça pourrait. Ça pourrait. Au moins, on n'a pas besoin de trouver d'idées de mise en scène ou autre, juste d'organiser les talents tour par tour. C'est tout. Oui, c'est ça. C'est facile. Oui, puis bon, les gens ils viennent, voilà quoi. Au pire, si vraiment ils sont très très mauvais, les juges votent non et puis bah ils arrêtent. Oui. Oui. Faudrait juste effectivement quelqu'un pour gérer s'il y a des récalcitrants qui veulent rester sur la scène. C'est ça. Mais bon, c'est de la technique, ça. On trouvera. Oui, faut essayer de faire en sorte que. Oui. Qu'on n'est pas obligé de tirer sur les gens, voilà. Oui, ce serait mieux. Oh, le lasso, ça suffirait au pire. Ah oui. Ça va être rigolo. Et voilà, le rendre.
Franchement, cette idée, elle est trop marrante. Mais j'y repensais aussi. Ah, ah oui, mais... Effectivement, je passe jamais par ici, moi. Ah alors, ouais, c'est très chouette. C'est hyper beau. Oh, si je devais habiter quelque part, ce serait ici. Ben oui, moi aussi, j'aime bien. Bonjour. Bonjour, monsieur. Il concentre sur sa carte. Ah, il y a des vaches. Il y a des vaches, il y a tout. Oh là là. Là-bas, un peu plus loin, il y a des moutons, je pense, aussi. Ah, non, ah oui, c'est chouette. Les moutons, ils sont là, regardez. Près du monsieur. Ah oui. Ouais, c'est vraiment plein de trucs, en fait. Salon 21, ouvert à nouveau. Oh, bah, on a... Pile poil quand on part, le salon, il ouvre. Incroyable, ça. Et puis la maison est jolie en plus. Oh, il y a un petit potager, tout ça. C'est vraiment sympathique. Ah oui, il y a un salon ici, mais disons. Bah oui. C'est incroyable. Je sais pas s'il est... Je sais pas s'il est encore déjà. Hein. Je sais pas ce qui m'arrive aujourd'hui, mais c'est... Une petite crampe. Okay. Apparemment. C'était un bel atterrissage. Oui. Ah, ça va être trop marrant le côté découvre de talent en vrai. Je suis trop fan. Ah si. Miss Savarin et Miss Morgan. Ah bah oui. Oh, je les connais pas ceux-là. Oh, il y a une table ici. Il y a plein de choses. Ah oui. Oh, je vais voir. Des soufflets de crave, des petits boules d'agneau. Ah oui. Des bouillabaisse. La bouillabaisse. Pas moitié de la mer. Bon, c'est loin de la mer, donc je saurais pas si c'est très frais, mais... Vous savez quoi, je vais en prendre une et je vais la donner à monsieur Dubois. Ça lui rappellera le pays. Oui. Bouillabaisse. Étale du fromager. Oh, mais il y a du fromager. Un poule au pot. Oh, mais il y a beaucoup de choses. C'est fou, hein. Les endroits les mieux... comment on pourrait dire qui ont achalandais. Les mieux achalandais. Exactement, achalandais. Eh bien, c'est toujours les endroits où il n'y a personne. Ben oui. Mais du coup, ces gens-là, en fait, il faut les supporter, quoi. Il faut leur donner. Oui. Il faut leur donner du soutien. Je vais me prendre. Je vais me prendre du local. Qu'est-ce qu'ils pourraient faire ici? Je pense qu'ils font du fromage ici. Je vais prendre leur fromage. Oula. Ouais. Il ne reste plus que deux bananes en feu. Ah, oui, j'ai vu les bananes en feu. Juste assez flambé. Orange mi. Il y a aussi un porcelain. Ah oui. Vous en avez disparu, Prosper. Porcelain. J'ai mal de crâne là. Après, ils se font peut-être encore des doses. Hein. Je vais regarder le statut serveur. Bon, j'ai pas de notif donc. Normalement, je vois Dizzy. Je vais manger et je vais boire. Oh, c'est mignon, ça. Plateau de fromage. Vas-y, je mange. Non, pas déposer. Utiliser. Oh la vache, ça nourrit un peu. Tout petit peu. Je mange le fromage à la cuillère, moi. Oh, petit chat. Mignon, mignon, mignon. Banane en feu, c'est une infection urinaire. J'adore tes punchlines. Oh, tu es mignon. Il était en train de manger, de ronronner, c'est trop pipou. Je vais voir si je peux boire en extérieur. Oh, mais il y a nos chatons ici, mais il y a plein de chatons. Bouh, oui. Ah non, c'est pas un puits, c'est... C'est une sorte de four, hein. De barbecue, hein. Je vais juste voir s'il y a de l'eau quelque part, parce que bon... Vu que là, je commence à être assez déshydratée, j'aimerais bien... en partie de l'eau et en partie une boisson à la bas, je pense. On va voir. Il y a des courants derrière. Non mais franchement, marrant. Ça c'est les cartes à loot, ça dans, je pense. Ça va bien, monsieur Prosper. Je me revoilà. Oui. Ah bah c'est là, ça c'est le porcelain, ça vous a achevé. Oui, c'est ça, le porcelain, ça m'a achevé. Je pense que c'est toute cette excitation autour de la pièce de théâtre, là, ça me rend instable. C'est pour ça que je me suis dit, bon, on va attendre, c'est pas grave. Je comprends, on doit tous gérer ça d'une autre manière. Vous avez visité un petit peu?
Un tout petit peu, mais pas beaucoup. Je me demandais s'il y avait un endroit où je pouvais boire un petit peu. Oh là là, c'est... Plein de chats. Oui, il y en a plein, ils sont cachés dans les forêts. Oula. J'ai cliqué dessus, ça a mis correct, quoi. Cliqué. Vous avez cliqué, hein? C'est quoi, ça? Ah, mais des fois, c'est des réflexes, hein. Tu dis des mots, cliquer. Moi, j'ai déjà dit se connecter. Est-ce que je peux boire l'eau des chevaux? Ah. Mm-hmm. Oh, c'est sympathique, t'empêche. C'est un cheval. Bon, en fait, apparemment, vous pouvez pas. Oui, bah oui, c'est l'eau spéciale chevaux. J'en ai beaucoup, hein. Autrement, je pense qu'il y a un petit cours d'eau. Plus loin. Ah oui, non mais sinon j'ai de quoi sur moi, c'était... C'était au cas où. Au cas où. T'as vu la taille de la vache là-bas? Oui. Oh, faites attention, vous avez les taureaux. Oh, ils s'enfuient. Vous avez fait peur aux taureaux, ils s'enfuient. C'est dangereux. Oui, c'est un petit peu dangereux. Vous pensez qu'ils attaquent? Bah, je pense pas. Non, c'est pas des taureaux d'attaque, ça c'est des taureaux... Des taureaux de maison, ça. Oui, c'est ça, des taureaux domestiques. Taureaux d'intérieur. Des taureaux d'intérieur, des taureaux d'appartement. Bon, il va trop loin, le taureau. Je pense qu'il est parti redevenir un bison. Ah, ah oui, vous... Il va écouter sa nature sauvage. Il va évoluer en bison. Oui, une petite laine, il va trouver ça au General Store, je pense. Oh oui, sacré cours d'eau, j'ai pas fait ça. Ah, c'est de l'eau, ça. Apparemment. Et il fait un peu sec en ce moment, non? Oui, c'est les chaleurs des derniers jours. Ah ouais, mais d'accord. On peut même pas la boire. Ah oui, parce que c'est une flaque, ça. Je peux même pas laper. Vous pouvez pas laper l'eau. Faut laper les cailloux. Bon. C'est pas grave, j'ai un multifruit. Oui, c'est ça, je vous entends, il faut... Mais il y a un grand lac plus loin. Ah oui? Vous l'avez jamais vu? Ah oui, j'ai pas vu. Je vais rappeler le cheval. Qui ne vient pas. Je vais aller près de la route. J'ai boire IRL comme ça, ce sera... RP. Ah bah non, et il est encore une fois têtu comme un... Pas comme... Pas comme un cheval, du coup. Mais certains endroits, ils aiment pas. Oh, regardez l'arbre là-bas. Je trouve ça classe en vrai. Attendez. On voit un arbre en haut de la colline, c'est beau. Ah oui, il est tout seul, cet arbre. Oui, c'est impressionnant. Alors attendez, je vais vous montrer le petit lac qui est rigolo. C'est un bon coin de chasse. Peut-être même un bon coin de pêche. Ou peut-être si je savais pêcher. Enfin, ah oui, je réessaye, j'ai pas réessayé aussi. Il y a toujours ce problème là. Oui, mon moulinet il était coincé, mais c'est peut-être moi qui sais pas comment faire. Et en plus, il y a un... On est à deux pas d'une gare aussi. Oula. Oh. Oh bah c'est là qu'elle était l'eau. Oui. Enfin, c'est pas vraiment un lac, hein, mais bon... On se comprend, quoi. Ah, c'est un marais. Hop, un petit coup de flotte. Pas sur le cheval. Je suis pas sûr que ça se boive, ça. Ah bah... Ah bah si. Il retourne à la nature aussi. Ah oui, il va redevenir un dinosaure. Oui. Ah oui, puis ça va bien, hein. On fiche complètement. Déjà, il voulait pas venir, ça c'est une chose. C'est vrai.
là. C'est mignon ici aussi. Un peu inondable, mais mignon. C'est vrai. Faudrait un petit chalet sur pilotis. Ce serait beau. Ce serait sympa. Ce serait sympa. Il y a bien une maison un peu plus loin là-bas sur le chemin, mais c'est un peu une drôle d'ambiance. Ah oui. Oui, c'est pas fou. Ok, bon bah donc, du coup, on a toujours pas de cheval et toujours pas de chemin. Oui, c'est vrai, et toujours pas de talent. Allez, viens. Bah oui, vas-y. Il m'énerve ou il m'énerve? Bon, j'y vais. Moi aussi, je siffle par soutien. Oublie d'aller chercher. Pas de route à proximité, essayez autour des routes. Bah ouais. Bon, quoique, en fait, je les ai déjà appelés dans la forêt, moi, mon cheval. Ah, quoique, non, j'étais plus proche des routes que ça. Enfin, c'est assez classe de vous voir courir dans l'eau avec... Mais oui, avec votre cheval immense. On dirait un petit peu un pirate des terres. Il faudrait vraiment que je me fasse un petit costume de pirate. Ah, vous avez déjà un chapeau qui ressemble. Oui. Mais je voudrais m'en faire un avec un tricorne. Oh. Comme les vrais pirates. Comme les vrais pirates. Ok, qu'est-ce qu'on fait? On va à Rhodes? Ah oui, Rhodes, on avait dit. Hop. Alors, Rhodes. Je vais faire pareil. Rhodes. Parfait. Parce que bon, je sais pas s'il y aura du monde, mais je sais que le salon ils organisent parfois des choses là-bas. Donc même si. Même s'il y a personne, si on trouve les propriétaires, ils pourront peut-être passer le mot. C'est madame Miroslav là-bas. Miroslav. Je l'avais rencontrée, mais je sais plus si elle m'avait donné son nom. Je ne sais plus. Ben voilà, ben comme ça, moi, vous avez vu Emerald Ranch. Oui, c'est très chouette. Je comprends que vous aimiez. Ben oui. Parce que je me suis dit, bon, ça doit être un petit coin paumé sur la route. Ben en fait, non. Et là, il y a un toutou, il est gentil. Oui. En plus, on voit tout de loin. Oui, c'est sympa comme région. Ça va, petit Vendis? Bon. Ça se précise, hein. Il va falloir vraiment qu'on passe là-dessus. Ça pourrait être trop rigolo. Je ne voyais pas du tout d'organiser une soirée, mais moi j'organiserai ça un petit peu plus tard. Enfin. Ouais. Oh, 21h30, c'est bien. 21h, souvent, c'est un chouïa tôt parce qu'il faut se connecter plus tôt, mais. Bon après j'ai jamais fait de dossier au gouvernement, j'ai aucune idée de... Comment ça se passe? Pareil, je sens que ça va être ta prodigation. Ouais voilà. D'ailleurs j'ai jamais rien fait parce que justement il faut faire des dossiers au gouvernement. Oui c'est vrai. Ça arrête beaucoup dans les élans tout ça. Oui, c'est... on a un gouvernement très procédurier. Poissonnerie Anguille sous roche. Blackwater. Moi je serais un peu du genre poignée de main à monsieur Pennyworth et let's go quoi. Oui voilà, il nous dira bah donnez-moi 10$, hop c'est fait. Voilà, attendez je vais charger les clés. Voilà, ça aurait été bien. Puis après demain, bon on a plus envie, bon monsieur Pennyworth. On vous rend les clés. S'il vous plaît. Oui parce que bon. Bon après cela dit. Oh non si, il y a quand même des frais. Ouais, il y a 5$ par semaine. Des... Bon c'est pas énorme. Non ça va. Donc on a l'aide du gouvernement, ça. Oui, c'est on devrait s'en sortir. De toute façon, faudrait qu'ils s'habituent. Hein. Nous, on n'invite pas, il n'y aura pas de petits fours et de champagne. Hein. Allez, ramenez vos bières, hein. Ça n'a pas de croquette. Bon, non, mais après, du coup, on pourra organiser un petit après, comme on dit, au saloon. Voilà, c'est ça. Comme ça, hop, on pourrait bosser avec le saloon. Voilà, mais c'est ça, il faut... On s'organise, faut voilà. Il faut faire ça. C'est ça, exactement.
Ouais. On fera des conférences. Ah, les conférences, ça peut être chouette. En cas de braquage, comment réagir? Que faire? Bonjour. Bonjour. Pas eu le temps. Vraiment, oui. Il y a des gens, ils ont des vies avec plus de choses à faire que nous. Oui. Et des fois, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils font tous ces gens? Qu'est-ce qu'ils font tous ces gens courir partout tout le long? Qu'est-ce qu'ils font tous ces gens avec des vies d'adultes? Incroyable. Oh, pour organiser un spectacle spécial pour les enfants, tiens. Ah bah oui. Il y a plein d'enfants, donc. Et ils sont hyper insupportables. Oui, c'est vrai. Ça va être super de faire. C'est une salle remplie que de eux. Que des insupportables. Et gueuler fraises au bar. Oui, c'est ça. Un spectacle de marionnettes. En même temps, bon, à part des chansons. Oh si, il y a des. Oula. Oh, mais c'est qu'il y avait un petit chien. Un petit renardo. Il était tout caché, le renard. On est arrivé par ici, ok. Ah oui, je reconnais même pas par ici. Tellement pas l'habitude. On est pile devant la banque. Bonsoir. Bonjour. 1,50$ par semaine, c'est pas bonsoir. Par semaine Le saloon, attendez. Et tout droit. Ouais, ils sont tous habillés pareil. Ah, mais c'est les shérifs. Bonsoir. Bonsoir. Beaucoup de shérifs ici. Les shérifs ils parlent beaucoup entre eux en fait. Ah oui, ils sont en cercle. En cercle. Oui. En cercle et entre eux. En cercle et entre eux. Entre cercle. Oui, entre cercle. Entre cerclés. On pourrait faire un spectacle sur les shérifs. Ah ouais. Il y aura plein de beaucoup de choses à dire. Ça balancerait. Ah ouais, ce serait un spectacle comme on dit engagé. Ah mais j'arrive plus du tout à piloter mon cheval. N'importe quoi. C'est ce qu'on appelle un créneau dans le milieu. Mais apparemment. Bonjour monsieur. Bonjour. Bon comme d'hab, tout le monde parle dehors et personne parle dedans. Oh, c'est quand même beau ici. Oui, moi j'aime beaucoup cet endroit. Et en plus ils ont plein de choses ici. Ding ding. Je vais regarder à l'étage. Même si bon. Oui. Ça semble assez certain qu'il n'y a personne. Oh, il y a un jeu ici. Oh, du blackjack aussi. Ouais, une petite partie. Perdez pas tout votre sou. J'en fais qu'une. Promis. No more bets this round. 5 14 14 encore une. And bust. Voilà. Bets please. Ah, juste une encore. Okay, I've got your bets. Non mais j'ai eu l'aide du gouvernement, c'est bon. Ah oui, d'accord. Oh, j'ai 20. Ah, oh, c'est bien ça. Ouais, bougez plus. Oh, moi je bouge plus. One off. Voilà. Je suis remboursé. C'est bon, je m'en vais. Let's see your bets. Thanks for playing. You be well. Merci, monsieur. Ça, c'est une bonne manière d'optimiser son temps, ça. Miroslav, je sais pas si c'est encore elle, mais elle a plein de trucs. Oh bah, je pense que c'est écrit derrière le comptoir. Cœur de blaireau. Oui, mais il y a beaucoup de choses ici. J'ai vous. Il y a même des petites amandes à manger. Il y a 193 pipes à fumer, même. Wow. Ça, c'est pour nous, ça. C'est ici qu'on doit aller faire nos soirées. Bah, c'est vrai que ça doit être envie. Tout ce qu'il y a. Bonjour madame Miroslav, est-ce que c'est écrit? C'est faux. Ah non, c'est pas écrit. Oh, il y a du José au moine. Je vais prendre un petit quelque chose. J'ai bien l'orange.
Voilà. Pour goûter sur le chemin. Pour le principe. Oui, pour la participation à ce bel établissement. C'est non ça. Mais c'est vrai qu'ici, bon, pour organiser des événements, c'est encore plus beau. En plus, il y a un jardin, de quoi garer les chevaux. Oui, pardon monsieur. Pardon, en même temps, bon, il nous fonce dessus. Oui, et puis il dit pas pardon non plus. Oui. Je sais pas où sont les gens, mais ils sont durs à trouver. On pourra retourner à Blackwater après. Est-ce qu'on fait un petit tour par Saint-Denis? Ben oui, bon. Peut-être. Y a pas le restaurant là très si, connu là. Si, y a le Black Cat. Attendez, il sert encore, je crois. Ah non, le service est peut-être terminé, mais. Mais y a du monde qui y passe pour manger. Mais je sais pas s'ils y restent, c'est ça le problème. Et sinon, près de la gare, y aura peut-être du monde. Oh là là. Bah, je vais déjà me mettre à la gare. Oui, c'est souvent là que je croise le plus de personnes. Entre le télégramme et puis le port qui est juste à côté et le train, ça fait beaucoup d'aller-retour. C'est parti. Est-ce que vous savez si on peut décorer les charrettes? Je pense que Monsieur Dieu qui a choisi une couleur à sa charrette. Ah. Il n'y a pas beaucoup de décoration, mais normalement, je pense que oui. Ah, parce que ça sera intéressant. Mais je vais y penser quand même à une charrette, j'ai quand même envie. Mais les charrettes, elles viennent pas quand on siffle, j'imagine. Ah non. Un petit c'est peu dangereux. Problème. Oui. Mais je suis toujours demandé à qui ils étaient tous ces gens-là. Je pense qu'ici on fait du. On du, fait tabac, du tabac, non? Ouais. Oui, j'étais une fois venu. Mais je me demande si c'est pas la petite rose qui est dans les cigarettes maintenant. Bah si, mais je sais qu'elle les fabrique, etc. Fallait que je vois avec elle si elle avait besoin d'un coup de main, mais j'ai pas une nouvelle après avec la mort de Pépito et tout ça. Je voulais pas l'embêter. Ah, elle connaissait Pépito? Oui, oui. Apparemment, ils étaient très proches. Ah. Moi, je me demande s'ils travaillaient pas un peu ensemble, en plus. Ah, c'est possible. Les enfants, ils ont plus des vies d'adultes que nous. Ben oui. C'est fou, ça. Pourquoi est-ce qu'ils profitent pas? Ah oui, hein. Mais d'où qui vient lui? Je ne sais pas, mais je pense que les chevaux ont voulu s'éviter. En voulant s'éviter, ils se sont presque rentrés dedans. Oui. On a failli mourir avant notre moment de gloire. Ah oui, avant que tout le monde nous connaisse enfin. C'est fou. Et tout le monde qui s'en va. Vous pensez que les gens ils nous diront bonsoir une fois qu'on sera connus? Je pense que même ils s'arrêteront. Ce serait bien. Sur notre chemin. Et ils prosterneront. Prosperneront. Ils prosperneront. Et ils jetteront des pétales. Ça, c'est cool. J'ai demandé qu'ils jettent des pétales d'un truc hyper compliqué à avoir. Oui. Ou alors des pétales chiantes à arracher une par une. Ouais. Genre marguerite. Des pétales de cactus. Des pétales de personnages. Tiens, démerdez-vous. Je sais pas si on aura intérêt à ce qu'ils nous les envoient à la tronche non plus. On va essayer de pas se faire d'ennemis tout de suite. La mélodie de l'industrie. Ah, il y a un cheval timide. D'accord, bonjour. Bonjour. C'est bien de les mettre là en bleu. Oui, c'est nickel. C'est parfait. Très bon endroit. On va bientôt courir sur les rails, ce sera moins risqué. Oui. Bon. Bah, personne n'a de courrier.
On sait qu'on nous a déjà contacté. Oh. Oh, peut-être. On va vérifier. Oui. Oula. Ouh, ça marche. Oui, mais je pense que quand je descends, ça le perturbe et il veut plus. Bonjour. J'aime beaucoup les gens qui me disent de les recontacter et en me donnant pas de Telegram. C'est parfait. C'est pratique. Je veux bien faire tous les efforts du monde, mais bon, le nom, ça suffit pas. Bonjour madame, on ne se connaît pas. J'ai quelque chose de très important à vous dire. Rappelez-moi. Rappelez-moi. Bisous. Des bisous. Vous savez par cœur où c'est le Black Cat ? Par cœur non, mais par carte oui. Alors. Ah. Là, il faut tourner à gauche. Votre mémoire de la carte. Ok. Alors là il y a un restaurant et je crois que c'est celui-là. C'est le restaurant chinois, c'est vrai. Oui, mais c'est pas celui-là qui s'appelle le Black Cat. Je sais plus. Sur ma carte s'appelle le restaurant chinois. D'accord. On peut essayer. Ah bon, on peut voir. Mais sinon c'est un peu plus loin, on a un autre un peu plus loin. Mais on va regarder quand même. Alors je sais juste pas quelle est la porte. Ah c'est celle-là. Bonjour. Oh, c'est grand ça. Oui, c'est la première fois que je suis rentré, je m'attendais pas à ce que ce soit un grand truc comme ça. Oula. Ah oui, d'accord. Ah mais la bouillabaisse ici aussi. Oui, y a pas. Ah, y a... On peut cuisiner des trucs. Oui, jamais essayé. Je me suis dit bon, ça pourrait peut-être mal vu. Il y a des jolies lampes. Et un piano. On dirait qu'il est doré. Ah ouais, apparemment, je peux faire des trucs. Vous aussi, vous avez de la peau bizarre. La peau bizarre. Ah oui, c'est moi, c'est... Ah oui. Waouh. Oui, j'ai changé de nationalité, apparemment. Ah oui, j'ai changé d'âge aussi, moi. Je pense que je fais à peu près le quadruple de mon actuel. C'est particulier. Mais c'est tout, en fait, ici, qui est un peu gris. C'est l'éclairage, je pense. Oui, non, mais c'est horrible. C'est quoi ça? Les petites demi-tables. Hein. Bon, bah voilà. Bah ouais, c'était super. Je dis super. C'est pas spécialement chinois, en fait, au final. Non. Alors, sinon là, faut continuer la rue. Ouais, c'est là. Et je vous dirai quand on est. Mais du coup, c'est pas celui-là, le Black Cat. Parce que je sais jamais lequel c'est, moi. C'est pas sur un coin, je pense que je me souviens. Ah. Bah, je sais que là, faut continuer encore. Et tourner à la prochaine, là, sur votre gauche. Ah oui. C'est peut-être ce resto-là, ouais. Là, faut continuer. C'est là-bas. Ah oui, mais moi j'allais ici. Attendez, c'est quoi ça ici? Moi j'ai juste au saloon, mais d'accord, il y a un restaurant. Voilà, enfin, ça c'est un restaurant. Ah non, c'est la Saint-Jacques. Ok. Mais voilà, je sais jamais lequel c'est parce que c'est pas écrit sur la devanture. C'est pas très clair. Par contre, je sais pas comment rentrer. Non, ça doit pas être là. Bon, c'est censé être un restaurant, mais il est peut-être pas repris. Bon, bah. Bon, bah c'est bon. Super. Mais j'avais déjà essayé de rentrer ici, et bon, bah c'est toujours fermé. Il y a le saloon. Ah, il y a le saloon. Saloon, normalement, c'est bon. Oui, on connaît. Bonjour. Oh. 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 On va faire du poker, ça. C'est les tables de poker, oui. C'est vachement joli ici aussi. Oui. Il y a un étage en plus. Oh, ils ont un mini piano. Hop là. Oui, bah c'est quand je me relève de la chaise, je me relève de tout.
la chaise, de la table. Fort, en fait. Voilà, je me relève avec panache. Waouh. Mais en fait, je vais habiter ici, moi. Et qu'est-ce qu'on fout à Blackwater, nous ? Eh, c'est ça. Oh, c'est la salle de bain. On peut prendre des bains. Prendre des bains, 1€. Beau. Tellement beau. Mais waouh. Oh, et on peut sortir sur le balcon. Oyez, oyez. Bonjour. Oyez. Nous allons découvrir des talents. S'il y a des talents et des restaurateurs, on est intéressé. Oui. On est intéressé pour savoir ce que c'est que le Black Cat. Oh si, ah, y a une dame là. Bonjour madame. Bonjour madame. Il fait de beau ici. Ah, good morning à vous aussi. Hein. Bon, il fait 20 degrés, il fait pas si chaud. Hein. Mais c'est pour se donner un petit genre, je comprends. Ça fait dame du monde. Hey, here, oh là, d'accord. Oh, y a quoi ici? Un escalier. Oh. C'est ça qui est comique à Saint-Denis, c'est qu'il y a toujours des petits trucs et des arrière-cours. Oh. Oh, c'est très beau. Ce serait parfait pour prendre le tas. Ben oui. Par contre, à moins de 2, je suis perdu. Bah c'est qu'à bout d'un moment, on sait plus si on franchit la limite du privé ou pas. Vu que tout est relié. Ah, on est à la banque. Ah d'accord. T'as déjà vu la banque ici ? Incroyable. Oh, je suis rentré une fois. Je pense pas que j'ai un compte ici, mais... Oh là là. Regardez-moi ça. C'est vrai que c'est beau, hein. Il y a des petits salons privés. J'ai pour braquer une banque. oh bah, non. Je l'ai au doigt. C'est drôlement étrange. Après remarquez, bon. Je me dis, si jamais on braque une banque, on pourra faire notre pub à tous les shérifs du coin. Oui, c'est en vrai. En même temps. Comme ça, bah. Et puis bon, ça financerait un peu le projet. Oui, aussi. Et puis bon, si ça marche pas, bah, on pourra rebraquer une banque. Aussi. Ça de pourrait être un bon plan B. Ouais, ce serait pas mal. Moi je pense qu'on pourrait leur faire croire qu'en fait c'est pas nous et oui. Qu'ils sont partis par là et vous leur feriez le doigt. Hop là, ils sont partis là-bas. Ouais. Bah on ne soupçonnera pas de toute façon. Bah non. Bon. Il reste éventuellement le marché, parfois il y a des gens, mais sinon je ne sais pas. Ah, c'est un autre cheval qui vient. Ok. Bah, je vais laisser celui-là là-bas pour qui veut. Bonjour. C'était peut-être pas le vôtre. Hein. C'est ça. Et bisous, Grisou. Très bonne nuit. Bonjour. On nous répond définitivement plus jamais. Oui. Les gens sont définitivement mal polis. Oui. J'irais bien que c'est à cause de Saint-Denis, mais c'est pas comme si on nous avait répondu ailleurs. Je pense que c'est quand même pas climatique le fait d'être un connard. Je vois même plus le marché. Oh, regardez. Ah, si, là-bas. Oh, quoi? Oh. Un fort répertoire de drames et de comédies. Oh. Et des vaudevilles. Mais oui, mais je voulais voir des vaudevilles, mais c'est qu'une publicité mensongère. Mais oui. C'est pas entré là-dedans? Je crois pas, mais j'ai envie d'essayer. Théâtre râleur. Oh, excellent. Oh, j'adore. Si, on peut rentrer. Incroyable, j'arrive. Oh. Mais rien. Enfin. Mais enfin, c'est dis donc. Cet endroit. Ou alors on reprend tout. Oh là là, mais... Ah ouais, mais... Oh. Ok. Ça, ce sera pour la finale, ça. Mais que... Oh. Oh là là.
On s'est trompé de ville. Oui, je pense qu'on on va dire à Monsieur Pennyworth, bon, enfin, ça bute tard. Mais il y a des petits encens. Ah non, c'est les bougies qui font ça. Mais c'est beau. On peut faire des vraies pièces de théâtre. Il y a un décor et tout. On peut se mettre sur le côté. Et on peut rentrer acte 3. Ok, j'ai venu du marché. Oh, mais vous ici. Oh, mais que faites-vous là? Entouré de tous ces gens-là. Et vous là-bas? Qu'est-ce que vous en pensez? Oh non, quelqu'un l'a tué! Non! Misère! Ce n'est pas moi! Ce n'est pas moi! Je vais me cacher! Super amusant. Sauf que je les connais pas les mères, moi, ici. Et puis j'y fous jamais les pieds, surtout à Saint-Denis. Oui, puis ça doit être autrement plus cher. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on se fasse la main à Blackwater, d'abord. Mais jamais personne, de toute façon, qui fait rien ici. On pourrait dire les deux, en vérité. Oui, c'est vrai. Il faudrait voir avec le maire d'ici. S'il y en a un. Est-ce qu'il y en a un en ce moment? Je suis même pas sûr. Ah bah, aucune idée. Ouais, la harpe. Oh, il y a un piano. Ouais, oh, une vraie harpe. Oui, mais je sais pas si... Moi, je veux pas y jouer. Non, mais rien que la scène, elle est incroyable. Oui. Avec tous ces éclairages. Mais oui. Hop. C'est hyper beau. Et puis on dirait qu'il y a des étages pour les gens très importants. Oh là. Oh, ah, ouais. C'était bizarre. C'était bizarre. C'est pourquoi? C'est pour sortir, ça? C'est peut-être des fausses portes. Ou des vraies fermées. Oula, oui, d'accord. Oh là là, il y a un bar et tout. Et puis un coffre. Ouais, c'est hyper bien. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Ah, j'ai pas la clé. Acheter le commerce, 1$. Ok, je n'ai pas la licence. Ok. Ah oui, non. Mais bon, ça va alors. Ah, c'est quand même vachement bien. C'est vrai que c'est autre chose ici, hein. Pour faire voter le public, ce serait peut-être compliqué, mais... En fait, ça dépend. Moi, je pense que celui à Blackwater serait bien pour des choses comme des conférences. Oui. Et puis peut-être des choses où il y a besoin de pas trop de gens. Et là, ça serait bien pour des gros événements. Ah oui. On s'est monté, là? Je sais pas. Mais ça n'en plus finit plus. Ah mais oui, mais c'est les. Et oui, c'est pour les gens importants. C'est pour les jurys. Oh oui. Mais c'est fou. C'est parfait. Tant de possibilités incroyables. Bah autrement, il faut qu'on reprenne vraiment toute la... Tous les théâtres de toutes les villes. Tout le secteur culturel de ce pays. Bah va falloir déjà qu'on... Oh, on serait le ministère de la culture. Oh. Bah, ils vont pas vraiment vouloir croire que je participe à ce genre de truc. Parce que, moi très franchement... je pense que... Je pense que certaines personnes vont pas nous croire de toute façon, mais... Ah ouais... Avec c'est vrai que c'est chouette ici. Il y a même des messieurs en costume, bonjour monsieur. Oui, bonjour les messieurs en costume. Je pense qu'ils ils sont vendus avec le théâtre. Qu'est-ce qui est noté en fait là? Boutique du théâtre, ah oui. Bah oui, parce qu'il y a une petite boutique. Ouais, parce qu'à ce moment-là, on s'arrange avec quelqu'un pour qu'il... Et tant qu'on va dicter, ils ont peur d'aller sur le point. Oui. Mais oui, bah vu qu'il y a une petite... Là, il y a un petit bar. Mais c'est vrai que ça, dans un théâtre, c'est quand même important pour l'entracte et tout. Bon, après, à Blackwater, oui. L'avantage, c'est qu'on peut faire un partenariat avec le saloon et faire les entractes là-bas. Bah, je pense que, bon... On peut déjà éventuellement dans un premier temps. Oui, hein, allons-y doucement. Si ça se trouve, on va se voter et ça sera nul. Moi, je pense que dans une semaine, on aura peut-être marre, donc...
Déjà après, un dossier. Et puis si on fait nos preuves, bah on aura peut-être même pas besoin de faire un dossier pour le deuxième. Oui, bah on peut peut-être même noter dans le dossier qu'on serait peut-être intéressé éventuellement. On ne va peut-être pas aller là-bas parce que je sens qu'il y aura vraiment rien. Oui, ah oui, c'est possible aussi. Se promener, pourquoi pas, mais mais à chaque fois qu'on discute, on va n'importe où. Ah non, mais il y a... Ah mais attendez, on peut demander au policier qui est le maire ici. Mais oui, faut qu'on en trouve. Ah bah oui, on est juste à côté. On est juste à côté. Bah c'est pratique ça aussi pour la sécurité. Eh oui, on se fera pas attaquer. Ou alors on se fera attaquer quand ils seront pas là. Ah oui. Est-ce qu'on peut rentrer quand ils sont pas là? Toc toc. Bonjour. Y'a quelqu'un? C'est ici pour l'accueil. On dirait, ça ressemble à un endroit où on peut accueillir. On est pas des bandits. Non, on est des gentils. Des gentils chercheurs de talent. Gens, c'est marrant. Demander, tous les gens qui sont enfermés, on pourrait leur demander s'ils ont des talents. Oui, savez-vous faire quelque chose à part vous faire attraper par la police? Ils sont ici derrière. Ah oui, bah ils vont nous voir sortir. Bonjour messieurs. Oula. Bonjour. 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 Oh, est-ce que... Prosper Forêt. Denis Duval. Duval. En fait, vous êtes on... Attendez, bah... vous êtes quoi? Vous êtes un civil? Vous êtes... Civil. Oui, je suis un civil. De quel droit, si vous vous permettez de pénétrer dans un bureau de police et de rentrer jusqu'à l'arrière? Bah, c'est qu'en fait, on pensait que l'arrière, il y avait écrit notice devant, alors c'est qu'on pensait que c'était l'entrée. Devant, et comme il y a une espèce de mini sonnette à l'entrée. Et de je voulais pas te déranger. Mais non, vous ne pénétrez pas. Donc, je vous invite à retourner à la tête, s'il vous plaît. Je vais vous accompagner, on va discuter. D'accord. Je pensais que c'était, il y avait une accueil. Oui, bah si, justement. Si là-bas, il y a un comptoir, ce n'est pas pour rien, je veux dire, hein. Non, de l'autre côté, s'il vous plaît. De l'autre côté Ah, mais nous, on est rentrés par ici déjà, donc. Ah, bah non, oui, bah non. C'était mal mis. Bah, c'est qu'on savait pas, on connaît pas. Vu qu'il y a une entrée, on a vu une notice devant, il y avait écrit. Que puis-je pour vous, madame, messieurs? Alors, il se trouve qu'on va peut-être reprendre le théâtre de Blackwater. On s'est aussi rendu compte, on s'est rendu compte qu'il y a un théâtre ici à Saint-Denis, qui est vacant. Mais en fait, on aurait voulu savoir, est-ce que vous auriez les coordonnées de monsieur le maire de Saint-Denis? Ou en tout cas, un moyen de contacter par un adjoint, ou oui, je ne sais pas. Un adjoint. Peut-être plutôt. Je vais regarder dans l'annuaire, je vais vous donner ça. Parce que nous sommes à la recherche de talent. Mais c'est pas ici que vous en trouverez. Ah, vous avez l'air de dire que les shérifs sont dénués de talent? Nous sommes policiers ici. Et oui, c'est la police maintenant. D'accord. C'est la police à Saint-Denis. Alors, oh, mais même les policiers. Je n'ai pas le numéro du maire. On pourrait juste avoir son nom peut-être. Parce qu'on ne connaît pas encore. On est de Blackwater, donc on ne connaît pas trop ici. Oui. Ou si un de vos policiers le connaît. J'arrive, je me renseigne par rapport à ça, parce que j'ai oublié son nom. D'accord, vas-y. Ok, merci. Ah, c'est bizarre comme accueil. Ils se la pètent un peu ici. Oui, je trouve ici. Mais ça me donne pas. Ouais, c'est Monsieur Lourdes. Essayez d'aller voir vers le gouvernement, généralement il est là-bas. Ah d'accord, Monsieur Lourdes, c'est ça? Monsieur Lourdes, c'est ça. Ok d'accord, Monsieur Lourdes. Bah merci, on va essayer de le retrouver alors. Merci bien. Mais de rien. Et puis Mana, vrai, on ne savait pas en tout cas. Très bonne journée. Si ça arrive. Hein. Au revoir. Oui. Eh bien, quelle aventure. J'espère qu'ils seront plus sympas au gouvernement. Je suis pas sûr. De réputation, je suis pas sûr. Alors. Bon, bah, chaque fois que je vous parle, je range ma carte. Ça, c'est très. Oui, moi aussi, exactement. Ne parlez pas pour le moment. Je comprendrai en regardant vos yeux. Oh non, que dites-vous? Je vais faire quelque chose, Yubi. Mais où est le gouvernement? Ah bah c'est la mairie, il faut trouver la mairie, je pense. Alors la mairie... Oh, trouvé. Ah, si, palais de justice aussi. Arrête de parler, Prosper. Sinon, faut parler en permanence. Voilà. Ah mais je trouve même pas. Elle est en haut à gauche. Ah mais oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Bon, qu'est-ce qu'on fait, on y va à pied? Bah oui. Allez, il fait bon. D'ailleurs, il fait même trop chaud. Profitons.
Je vais enlever ma veste. Hop. Pareillement. Hop. Ah non, le bazar. Ah non, c'est ça. Oui, mes tissus se mélangent parfois. C'est un peu monomaniaque sur votre tenue, Madame Denise. Monomaniaque. C'est un peu toujours la... Bah, je sais pas, c'est un peu toujours la même. Oui, parce que j'ai... La flemme. Oui. Ah, vous avez vu le catalogue aussi, tout ce qu'il y a à regarder, là. Oui, c'est vrai. J'ai une autre tenue quand je viens ici, pour qu'elle est moins chaude, mais... Déjà, ah, je l'ai pas prise. Oula, je vous entends pas très loin. Ah oui. Voilà, je vais parler un peu plus fort. Voilà. Bah, c'était bizarre comme accueil quand même, hein. J'ai bien cru qu'on allait finir pendu. Oui, moi aussi. Je me suis dit, oh, bah, tiens, on va remplir les cages, ils s'ennuient, en plus ils sont 15 là. Oui, c'est ça. Et vous êtes des civils, des trucs? Mais qu'est-ce que ça change? Je sais pas, on va en renseignement. Bah, c'est que disons que dans les autres endroits, les portes elles s'ouvrent pas s'il faut pas rentrer. Mais c'est ça, là c'est ouvert, c'est grand donc. Il y a plein de portes partout, nous on visite. Ils ont qu'à fermer leurs portes aussi. Bah oui, et puis fermer leur gueule aussi. Et puis fermer leur gueule, c'est pas la même occasion, dis donc. Non mais oh. Ouais, par là. Ah, quand on va peser dans la ville, hein, ce sera différent. Quand on va peser dans le jeu. Oui, exactement. Dans, oui. Dans le jeu culturel. Dans le, voilà, peser dans la culture. Oh. Je pensais que c'était un parc public, c'était un jardin. C'est quoi, c'est fou? Ouais, c'est... Non, c'est public, ça. Bah, je sais pas. Je pense, hein. Il y a quand même des maisons, là, derrière. Ah oui, non, il y a des bancs. Non, il y a de l'eau, on dirait, entre. Ou je sais pas quoi. Non, là je pense que ça va. Ouais, c'est joli, quand même. Oui. Tu sais, quand on n'a pas l'habitude de venir, on se dit qu'il y a quand même... Il y a quand même des endroits huppés. J'ai l'impression que quand on a un petit peu d'argent, ça va. Mais j'ai l'impression qu'il faut surtout avoir de l'argent. Oui, j'ai un peu l'impression. Le reste vient avec. Oh. Allez, ma petite cabane, c'est cossu. Oui. Petite résidence. C'est la cabane de mon cheval. C'est pour les jardiniers. C'est une pour chacun de mes animaux de compagnie. Alors le truc c'est, si jamais je rentre là-dedans... Oh. Non mais c'est vraiment le gouvernement, c'est sûr là. Oui, oui. On dirait pas une maison. Cela dit, il y a une accueil, je pense, devant. Ah oui. Au pire, si on reste juste là, et qu'on sonne. Toc, toc. Vous pouvez sonner. Ah oui, stop, n'avance plus, merci de prendre rendez-vous. Ah. Un rendez-vous. Ah, faut prendre rendez-vous. Oh, on va faire Blackwater, hein. Oui. On verra pour Monsieur Yann. Hein. On demandera, mais je suis sûr qu'il y a moyen d'avoir... Peut-être via Monsieur Pacifique ou Madame Dixon, peut-être. Moi, Monsieur Pacifique, je connais un tout petit peu, Madame Dixon, jamais. Donc, je sais pas si. Bah, à part son. Quand on est venu à son mariage, mais. Oui. Elle m'a un peu parlé, donc. Bah, elle a fait un discours et j'ai entendu la voix pour sa première fois. Oh. Sa voix pour la première fois. C'est hyper beau, c'est la charrette que je voulais. Ah oui, elle est sympa. Bonjour. Bonjour. Elle est jolie, votre charrette. Je peux vous déranger une seconde? Ah, bah. Bien sûr, n'hésitez pas. J'aurais voulu une charrette, comme la vôtre, en fait. Ah, vous voulez une roulotte comme ça? Elle ça, c'est une roulotte, ça. Ah, c'est une roulotte. D'accord. Et vous pouvez la décorer quand vous la prenez? On est quoi? Ah oui, oui, on est Rabat. Vous êtes voyageur? Ah, vous êtes pas voyageur. Ah, bah non, c'est juste que j'ai pas de maison et je trouvais que c'était hyper bien ça. Oui. Ah bon? On savait pas mieux, hein? Ah, et puis vous voulez que oui. Mon matériel en est une comme ça? Bon, bah, vous doutez bien qu'avec mes frangins et tout, on l'a fait comme il fallait, quoi. Ah oui, d'accord. Elle cherche toutes ses affaires. Elle serait beau du pays dans la journée. En rose pour la matière. Bah ouais, bah ça. Au début, ce qu'on voulait faire, mais bon. Après, j'ai dit que c'était peut-être pas. Ah, c'est pas si bonne idée, là. C'est voyant, c'est voyant. Est-ce que vous pouvez rentrer dedans dans ce truc ou pas du tout? Ou c'est que pour la marchandise? Elle ferme la clé, quoi. Ah, d'accord. Ah, ouais, d'accord. C'est ça. Donc vous pouvez être à deux dessus à chaque fois. Vous pouvez juste être à deux devant, alors, c'est ça? Ouais, c'est peut-être pas forcément le plus pratique, alors. Mais bon. Dommage, elle est vachement belle. Mais oui, elle est très jolie. Ah, bah, on vous dérange pas plus. Bah, mais oui, merci, on vous laisse dans vos travaux. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Ils sont gentils, eux. Bah oui. Ils parlent bizarre, mais. Ils parlent bizarre, hein. Parce que quand ils font en même temps, c'est compliqué. Ah, bon. On est dans les marais. Ah, les marais. Bah oui, parce que. Okay. Le gouvernement, en fait, il est près de l'entrée.
Bah oui. Bon. Bon alors. Super. Non, l'aquateur non. Apparemment. Bah oui. Hein. Parce que bon, je suis. Après, on pourra toujours essayer Annesbank, Van Horn, mais je sais pas si c'est très loin de Blackwater, donc. Bah, c'est à dire que la culture là-bas, c'est pas ça, quoi. Denis, voyons. Et je ne fais rien. Bon, je vais couper la VOD. Bisous VOD, c'était notre recherche de talent. Je verrai si j'en fais une autre ce soir. Si ça avance un petit peu, j'en ferai une autre. Bisous.